Modifier. Hop. Ok. Normalement, c'est tout bon. Donc on va juste couper la musique. Hop. Je vais vous mettre là-dessus. J'enlève l'incrustation, sinon c'est dégueulasse. Hop. Et on va voir ce que ça donne niveau son. En plein milieu de la jolie musique. Honte à moi. Oh. Non, j'ai pas regardé. Pas grand chose vraiment. Je fais que ça. Ah, c'est cool. Je fais partie des gens qui vaccinent. C'est bientôt notre tour, hein. Ça commence à venir. Ça va être bien que ça commence d'arriver. J'en ai un peu marre de travailler toujours à la maison. J'aimerais bien avoir des vraies relations avec mes collègues. Ce serait intéressant. Oui. Oui, alors à ce sujet, en fait, on a eu un souci avec notre voiture. Et là, j'ai appris il y a 10-15 minutes que c'est réglé, donc il faut juste que je reconfirme avec Tears, mais normalement, oui, on devrait pouvoir venir, je pense, le week-end. J'ai réfléchi. Oui. Voilà. Les musiques, elles sont incroyables. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que comme d'habitude, on va commencer par faire une petite enquête. Une petite enquête. C'est quoi? Ça fait quoi si je clique dessus? Est-ce que j'ai encore de lancer un DLC dans lequel je pourrais pas sortir et je vais me faire spoil des trucs? Appuie sur une touche. Salut! Coucou toi! Ah ouais! Il y a un petit côté. Un tout petit côté Hugh Jackman. Je sais pas si c'est les cheveux. Je vais me faire spoil des trucs, non? Après la victoire des assassins sur les Templiers. Ok. Je vais kill le jeu. Bon, la victoire des assassins sur. La meuf qui... Non mais par contre, la victoire des assassins sur les Templiers, bon de toute façon on gagne toujours à la fin a priori. Hein. Donc c'est pas tant ça qui spoil, mais je sais pas. J'ai un trauma toujours actif de Unity. donc Wally Walou. Ah non mais ça va faire le bruit fort. Ah ça va, c'est moins fort que dans mes souvenirs. Peut-être qu'il faudrait que je monte un peu le son du jeu, du coup. Je sais pas si c'est fort pour vous, mais moi ça me... Inspiré d'événements et de personnages historiques réels, cette œuvre de fiction a été conçue, développée et produite par une équipe... voilà, une équipe. Ah, je suis contente d'avoir enfin fini cette histoire de Capital, ça fait plaisir. C'est vraiment plaisir. Donc là, on est d'accord qu'il m'a pas embarqué dans le DLC, là. Bien sûr. On est d'accord que... Voilà. Donc ça, on le fera après. Voilà. C'est un autre DLC. Pour coup, les autres DLC que Jack l'Éventreur sont intégrés directement au jeu. Mais là, Jack l'Éventreur, ça a vraiment l'air d'être un truc vraiment indépendant. Donc on ira faire ça après. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc là on va aller faire une petite enquête policière. On va résoudre une enquête criminelle. C'est un peu la petite habitude de début. Il y en a une ici. C'est un peu la petite habitude de début de session. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite hein? Ce serait bien qu'on libère ça maintenant. On a le niveau, il me semble. Niveau suggéré, 9. Bon, ça va être un peu long, on fera peut-être pas que ça. On fera peut-être une alternance entre ça, la quête principale ou autre chose. Voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est parti. Donc, il y a une enquête juste ici. On va se TP et on va y aller.
Hop là. Ah oui, il faut que je... que je désactive le retour. Sinon, la caméra va laguer un petit peu. Les voleurs sont quasiment que des femmes. Alors, on commence par une bonne action, c'est-à-dire plaquer une madame par terre. Voilà. Il y a beaucoup moins d'événements publics que dans Unity, je trouve. Mais bon, c'est pas très grave, on peut gagner des sous et plein de trucs autrement. Alors, destination meurtre, résolvez le mystère du corps trouvé sur la berge de la Tamise. Nous allons nous transformer en détective. Hey, par ici, à l'aide! Un mendiant a trouvé quelque chose là-bas, on dirait bien un acte criminel. On dirait bien un acte criminel, mais personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Les femmes font de meilleures voleuses parce qu'elles ont un meilleur doigté et plus de douceur. Et pour professeur Layton, t'as réfléchi et j'aimerais jouer avec toi à RL. À RL, ok, ouais. Trop astuce. Bah, c'est surtout de la pratique RL, hein, vraiment. Mais ouais, on pourra jouer. Professeur Layton. Mais ça se joue pas en multi, ça. Ou je le fasse aussi. Plein de trucs à faire. Mais en ce moment, j'ai pas vraiment beaucoup de temps de stream, donc du coup, c'est vrai que j'ai surtout beaucoup envie de jouer à Assassin's Creed. Le mardi, en général, c'est gribouille. Il me reste plus ou moins que le samedi soir à chaque fois pour vraiment faire un truc un peu différent. Je marche sur le monsieur, hein, évidemment. Mais oui, c'est vrai, il faudrait que... J'attendais surtout après toi pour le We Were Here, j'avoue. Et j'ai pas trop... Ouais, je sais que j'avais dit que je le ferais. J'aimerais bien jouer à des trucs plus coop en ce moment. Je fais pas mal de jeux, enfin Assassin's Creed c'est très solo déjà, donc... Et puis DST, oui c'est en multi, mais enfin voilà, ça fait des mois et des mois qu'on y joue. Mon projet est pas assez de temps, je prends pas le temps, c'est ça le truc. J'ai pas une bonne gestion de mon temps. C'est un gros travail que je dois faire sur moi. Mais ça va venir, ça va venir. On dirait qu'il est tombé, non? Ah, il s'est jeté du pont. Alors, corps d'homme, vêtu à la manière d'un riche homme d'affaires. Il lui manque une chaussure. Oh non. Multiple fracture, trahissant une chute d'une hauteur élevée. Pas de papier d'identité. Ok. Marque de portage. Ah! Ah! Donc il serait tombé plutôt là, en fait. Chute. Chute. Ouais, bah aussi, mais j'aimerais beaucoup jouer à We Were Here pour le coup. Non identifié, riche. Voilà, c'est marqué riche, mouillé. Oui, bah oui, il pleut. C'est l'Angleterre. Hein. L'Angleterre. Je vais pas parler à lui d'abord. Je vais regarder les trucs hein, de type indice. Alors, manteau d'homme manifestement coûteux, non brodé sur la doublure, Matthew Killian. Je vais retourner me renseigner. D'accord. Donc, probablement. Impact, oui. Probablement le manteau du monsieur, mais il a déjà un manteau, non? Est-ce que c'est parce qu'il est mouillé? Il lui manque une chaussure. Ils disent pas qu'il a pas de manteau. Mais même avec le manteau, il serait mouillé. Bon. Ne tirons pas de conclusion hâtive. La semaine du 13 mai. Pour We Were Here, donc c'est après le week-end, c'est ça? Ouais. Bon, y a pas de raison. Tu me dis juste quel jour c'est précisément, comme ça moi je m'organise, mais y a pas de soucis, j'ai rien de prévu. À part le mardi soir. Le mardi soir c'est pas possible du coup. Juste ça. Ou si vraiment il y a que le mardi soir, bah essaie vraiment de me le dire à l'avance parce que du coup faut que je vois avec Gribouille et Spider si on peut décaler la session. Voilà. Alors bonsoir. Quelqu'un tombé dans l'eau. Plouf! Alors j'ai ramené le gars sur la berge, aussi mort qu'un bout de bois. Je vis ici maintenant, si on appelle ça vivre. J'ai perdu mon travail. Ils ont je dis vendredi. Ok, moi, pas de souci. Machine peut faire le travail. Dis ce que tu préfères. Un beau manteau bien chaud sur un cadavre. Qu'est-ce que vous croyez? Je l'ai fauché, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Quelqu'un comme vous. Ok.
Je me fais traiter de voleuse, visiblement. Mais il n'est pas tombé dans l'eau pour moi. L'impact, il est ici. Donc le monsieur ment un peu. Il manque un indice. Où ça? Où ça? Où ça? Je vais trouver, hein. Ah, mais peut-être qu'il prend le... Ah oui, c'est ça, il prend le pont en considération. Ok, donc faut que je monte. Je vais avoir un grappin SVP. Ouais. C'est moins pire, mais je suis pas sûre qu'on y arrive. Non, elle veut pas monter quand elle est comme ça. Non, tu veux pas? Allez, monte, madame. Du coup, je dis, ça peut être cool, comme ça, ça me fait un stream en plus dans la semaine et ça me pousse un peu à me... à m'organiser. Faire plus de choses de ma semaine. Et le vendredi, c'est bien aussi. Alors. Montre de gousset, une montre en argent brisé. Les aiguilles indiquent un peu après minuit. Je crois que je devrais réinterroger un suspect. D'accord. Batman. La train de minuit. Ça doit être le 616. Il s'arrête à la gare plus loin. Avec de la chance, il y est peut-être encore. Allez, vas-y, cours, madame. Rattrape le train. Victoria Station. Ah, bonjour. Je vous emprunte ce véhicule. Oh, je sais plus comment on conduit dans ce jeu. Ok, c'est bon. J'ai mon code, ok. Allons sur le deuxième lieu de l'enquête. Ah, mais c'est loin de ouf. Ah, il y a des trucs à ramasser ici. Oh, je te coupe la route. Voilà. On va passer à une conduite sportive, d'accord. On ramasse ce truc-là. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de ramasser les collectibles à chaque fois que je les vois parce que... Allons-y. J'en passe souvent ici, c'est faux. Pardon. Parce que sinon, on va vraiment passer des streams à juste... Oh, c'est pas très clair pour le cheval. Sinon, on va vraiment passer tout un stream, plein de streams à juste ramasser des choses et c'est pas très intéressant. Donc autant essayer de faire avancer le schmilblick, simplement. Hop. Alors, faut aller où là? Comment on y va là-haut? Comment je rentre dedans? Comment on va dans les trucs? Tous les articles qu'il vous faut, on va ici. Ouais, c'est pas de ouf. On peut monter par là-haut? Général, non. Surtout si je me rappelle de bien de l'endroit. Ah, si, là, il y a un truc. Ils sont gentils. Ils nous ont laissé une fenêtre ouverte. C'est pour aérer. H. Merci. Ah, faut aller rencontrer le monsieur qui se trouve juste là. Bonjour. Le train 616, mon brave. Comment? Ouais. Là, on va aller dans le train. Et on va avoir le temps d'interroger tout le monde avant que le train parte. Compartiment couchette. Voiture restaurant, voiture voyageur. On devrait peut-être commencer par le conducteur de train si on a un, non? Il n'y en a pas? Très déçu. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Tout à fait banal. À ma connaissance, il ne s'est rien passé d'anormal jusqu'à ce que vous commenciez à parler de cette histoire de meurtre. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez vers minuit exactement? Je nettoyais la voiture de passager. Et vers minuit, Viviane est passée en courant. Elle pensait que quelqu'un la cherchait. Viviane. C'était juste un passager fortuné. Pour moi, ils se ressemblent tous.
Oui, d'accord. Un riche sous ordinaire, je vois. Donc Vivienne semblait être poursuivie, d'accord. Ah, j'ai oublié de regarder les objets avant. Ah, ça y est, le train démarre. Bah d'accord. Ah bah les industriels, ah bah la monarchie, la révolution, voilà la solution. Ah. D'accord. Un article indique que Matthew Killian cherche à conclure un gigantesque... Oula, attendez, faut que je branche mon téléphone. Un gigantesque contrat au Pays de Galles. Il précise que Killian a pour coutume de remplacer les ouvriers par des machines. Le portrait de l'article ressemble à la victime. Ah ! Donc ils disent quoi du coup ? Portrait de Killian. D'accord, très bien. Anti-industriel. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Une petite boîte de pilules soporifiques à moitié vide. On va retourner se renseigner à ce sujet. Ok, du laudanum. Ok. Ok. Donc allons ici. Donc lui c'est Ryan. Un dîner inhabituel, deux passagers qui ont eu une sorte de réunion d'affaires. L'un a offert plusieurs verres à l'autre, puis ils se sont disputés. Mais Vivienne est arrivée et elle a réussi à détendre l'atmosphère. Ok. Eh bien, le train est bruyant. Beaucoup de passagers ont du mal à dormir, alors je garde du sédatif derrière le bar, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Peter, un bon gars. Il est arrivé ici quand il s'est fait virer d'une fonderie, il y a quelques mois. Je l'ai vu devenir blanc comme un linge après qu'il ait servi ses deux hommes d'affaires. Ok, donc lui, il a été viré pour être remplacé par une machine. Ok. Donc, il aurait potentiellement un mobile. Ryan a l'air cool. Qu'est-ce que vous faisiez, Luc ? Ce qui est étrange, c'est que j'ai été réveillé par des bruits sur le toit. Vous dites qu'on a balancé quelqu'un depuis là-haut ? Il faudrait être sacrément fort pour hisser un bonhomme jusque-là. Ouais, donc c'est que... on l'y a emmené, peut-être ? Vivienne avait un de ses pigeons dans son compartiment à ce moment-là. Après, je me souviens avoir vu des gens passer de temps en temps, mais je dormais à moitié. Il dormait à moitié. Oh. Je travaillais pour lui à la fonderie. Je ne l'avais jamais vu. Et les ouvriers ne savaient pas à quoi il ressemblait. Donc lui aussi, en fait. Peter travaillait avec moi. Il a un mobile. Il est très costaud. Je me suis fait arracher le bras par une de ces saloperies de machines. Tout le monde s'est fait renvoyer. Peter a été chic avec moi. Il m'a aidé à entrer au chemin de fer. Ok. Donc peut-être qu'il aurait des raisons de... de faire ça aussi, parce que ça permettrait de rendre l'appareil à Peter. On parle beaucoup de Peter quand même. Hein. Je sais pas si c'est un prank. Ça marche quoi là ? Ah, il nous faut des indices. Alors... voilà... lettre. Killian sera à bord du train 616 pour Cardiff afin de signer les documents. Vous devez à tout prix l'empêcher de les signer ou nous serons ruinés. Ah ! Voilà, on a un vrai mobile qui se précise. Ah, un gun. Un petit Derringer à crosse en ivoire. Des deux canons, l'un est vide. Voilà. Il se serait potentiellement pris une balle. J'ai bu quelques verres avec Killian la caméra bien passée. J'ai eu en affaire par le passé, j'en avais gardé un bon souvenir. Ça a été une bonne surprise de le retrouver. Donc c'est lui qui a picolé avec la victime, très bien. Je me suis senti fatigué et je suis revenu ici pour dormir. J'imagine qu'on a eu quelques désaccords, mais c'est toujours... La caméra, non ! On brasse de grosses sommes d'argent. Ouais ? Tout ceci est bien mystérieux. Salut Chiquitin, ça va et toi ? Ça fait longtemps ? Quoi de neuf ? Allez, vous. Un peu bu avec Monsieur Killian. Ensuite, la jeune femme s'est invitée à boire un verre avec eux. Monsieur Wolf n'a bu qu'un verre, et il s'est senti terriblement fatigué. Il est allé se coucher en titubant bien avant minuit. Moi, je suis resté dans la voiture restaurant à boire avec le serveur. Boire avec Monsieur le serveur. Wolf lui a offert moult verres, les vrais bails. Puis ils se sont disputés. Mais la jeune femme est allée les voir et il était évident que Monsieur Killian avait envie d'un petit tête-à-tête. Oh ! Il est parti avec elle vers 11h30. Ah, donc la dernière personne qui était avec la victime, c'était donc Vivienne. Je suis le valet de Monsieur Wolf depuis plusieurs années. Il est fragile.
et il a besoin de quelqu'un comme moi pour l'aider. Ouais. Putain, je comprends rien à vos conneries. Est-ce que vous picoliez bien avec le monsieur là-bas ? Sam, c'est un valet en qui on peut avoir confiance. Il est particulièrement robuste, ce qui me rend service dans de nombreuses situations. Tu faisais mieux toi déjà ? Oui, voilà, c'est toi qui dormais, ok. Je viens de finir une dizaine assez chargée, je vais pouvoir poser mon cerveau pour le week-end. Nice, bah écoute, une bonne nouvelle. Et bah écoute, moi de mon côté, j'ai officiellement appris 196 capitales du monde, voilà. J'ai passé le dernier test tout à l'heure. Et du coup, c'est bon, le donation goal est validé. Et les donation goals de live devraient arriver incessamment sous peu. Il manque des détails pour que je finisse d'organiser. Ça va mobiliser plusieurs personnes. Donc voilà, il faut arriver à faire bien se croiser les emplois du temps. Merci beaucoup. Moi, je suis contente en vrai. C'est cool. Je pensais pas que j'y arriverais parce que c'est très... pas assez visuel pour moi, ce genre de données. Donc c'est très dur à retenir, mais en vrai, ça va. Nickel, tu vois. Bon, j'en ai un peu appris 13 hier. Mais finalement, je les ai juste lues et elles sont rentrées. Donc ça veut dire que j'avais suffisamment de place dans mon cerveau pour le faire et que c'était... je sais pas. Peut-être que mon cerveau a appris à apprendre des capitales tout seul, je sais pas. Alors, un message manuscrit. Venez vite à la voiture restaurant. Il faut retourner se renseigner à ce sujet. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir ? J'ai pris un verre avec des messieurs et je suis retournée dans mon compartiment. Quelqu'un a glissé un billet sous ma porte quelques minutes avant minuit. Il me disait de me rendre à la voiture restaurant. J'y suis allée, mais il n'y avait que Ryan et l'homme de Wolf. Très éméchés tous les deux. Ryan et l'homme de Wolf. Au wagon restaurant ? Attends, c'est lequel le wagon restaurant ? Donc là, c'est quoi ? C'est... putain, mais c'est compliqué. Je peux pas regarder comme ça, plutôt ? Ok. Ah non, je peux pas voir le nom des lieux. Mais moi, je veux le nom des lieux ! Donc là, c'est compartiment couchette 1. Donc là, ça doit être... voilà, compartiment couchette 2. Voiture restaurant, voiture de voyageurs. Et elle a vu Ryan et le valet picoler dans la voiture restaurant. Et c'est pour ça qu'ils l'ont vu venir en courant. Je comprends rien, ça y est. Ah ! Non ! Enfin, pas à ce point-là non plus, j'aimerais bien entendre la suite. Mais vous retournez se renseigner à ce sujet. Oui, madame. Ah, mais il manque un indice ! Je viens de le voir, attendez. Bonjour. Je me disais aussi que ça manquait un peu d'infos. Contient une lettre. Comment ça va, Vive ? Tu as ferré d'autres poissons ? Tu as monté une bonne combine. Il faudrait que j'en fasse autant. Prenons un verre ensemble à la prochaine fois que tu seras à Soho, mon chou, ta sœurette. Ah, je n'ai pas posé les bonnes questions. On y vient, madame. N'en fais pas. Panique pas. Alors, Kylian. On a discuté. Vraiment charmant. Mais une femme seule doit être prudente, comme vous savez. Il lui est arrivé quelque chose ? Oh, d'accord. Je flirte avec les Rupins et le barman leur verse un soporifique. Je les ramène dans mon compartiment et ils s'endorment avant que j'aie à... enfin, vous voyez. Ils se réveillent en pensant qu'ils ont pris du bon temps et ils me laissent quelques billets. C'est ce qui s'est passé avec Monsieur Kylian, mais il était parti avant que je revienne de la voiture restaurant. Waouh ! Mais... vas-y, je comprends rien, ça me saoule. Bon, alors attendez. Moi, quand je comprends pas, je prends une enveloppe, je prends un stylo. C'est insupportable. Alors là, on a couché deux. Là, on a couchette 1. Ensuite, c'était quoi ? C'était le bar, c'est ça ? Et la voiture... attendez, la voiture restaurant, elle est au bout, non ? Oui, c'est ça, elle est au bout. Le train, il est en train de tourner, là, c'est ça ? Ok, donc là, on a voiture voyageur et voiture restaurant. Je suis vraiment en train de me faire 4 carrés. Hein. Parce que c'est le bordel, les gens, ils courent dans tous les sens. Comment vous voulez que je comprenne, moi, ce qu'ils disent ? Impossible. Donc toi, tu fais de la fausse prostitution. Oh, d'accord. Je flirte avec les Rupins et le barman leur verse un soporifique. Je les ramène dans mon compartiment et ils s'endorment avant que j'aie à... enfin, vous voyez. Ils se réveillent en pensant qu'ils ont pris du bon temps et ils me laissent quelques billets. C'est ce qui s'est passé avec Monsieur Kylian, mais il était parti avant que je revienne de la voiture restaurant. Il était parti où ?
Mais je comprends pas. Attends, quoi ? D'accord. Je flirte avec les Rupins et le barman. Je les ramène dans mon appartement et ils s'endorment avant que j'aie à... Enfin. Oui, d'accord. Ouais. Attendez, il y avait pas des gens là ? Ah non, non, mais j'ai pas encore demandé à tout le monde les trucs. Donc je me calme et je vais finir de faire le tour. Donc lui, c'est Angus Wolfe, c'est lui qui parlait avec la victime. Ils ont bu des verres, mais après il est parti se coucher assez tôt. Parce que du coup, le barman a mis des soporifiques dedans, dans leur boisson. D'accord. Vous voulez parler de la jeune femme ? Kylian et elle s'entendaient à merveille. Et c'en était même un peu gênant. D'accord. Viviane. Celle-là, c'est une futée. Elle a monté un petit manège avec le barman. Tous ceux qui travaillent à bord sont au courant. Attends, lui, c'est qui déjà ? C'est... Ah oui, donc lui, il s'est fait... lui et Peter, ils se sont fait virer. Et Luke, il a été aidé par Peter. Et en soi, on s'en fout un peu. Donc lui, c'est... Merde. Peter, un bon gars. Il est arrivé ici quand il s'est fait virer. Je me rappelle plus. Il y a quelques mois. Je l'ai vu devenir blanc comme un linge après qu'il ait servi ses deux hommes d'affaires. Ok, donc Ryan, plutôt neutre, on avait dit en plus. Hein. Donc lui, il lui aura donné des boissons. D'accord, très bien, je note. On la voit. Et donc souvent, Viviane. Cette passagère. Elle traîne avec les Rupins. Elle aime les divertir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'imagine que Rupin, ça veut dire richose du cul. Dans quoi ? J'ai encore un truc à lui demander ? Ah oui. Ouais, j'aide Viviane à plumer ce type. J'ai glissé une pilule dans le vin à cette table. Ils se sont endormis et Viviane a volé le plus riche. C'est pour ça qu'il n'y a pas de papier d'identité du coup sur le cadavre du monsieur. Je comprends pas le bail de Viviane et le fait qu'elle se soit déplacée dans le train, ça me... Je comprends pas. Mais attendez, juste que je comprenne. Donc lui, c'est le serveur, c'est ça ? Mais en plus, je suis con, j'ai qu'à regarder. Ça. Vas-y, montre-moi les choses. Non, je peux pas ? D'accord. Lui, c'est un bagagiste. D'accord. Bon. C'est quoi ? Serveur. Ah merde, non, c'est lui le serveur. Mais alors attends, quoi ? Il y a deux serveurs ? Si je comprends pas. Souvent ce train. Elle sait nouer des liens avec les autres passagers. D'accord. Donc là j'ai tout, c'est ça ? Ils vont me dire que j'ai tout ? Pour suivre votre enquête ? Qu'est-ce que j'ai quoi ? Où ça ? On a eu le temps de faire tout le tour de Londres quoi. Ah, il me manque une info là où je suis. Non ? Bourré ? Ah si, dans le compartiment couchette. Que la loupe, elle est blanche et pas grise. Là est l'astuce. Donc là où je suis. Voilà. Sam. Valet d'AW. Bon après, je pense que ceux qui ont plus de mobiles... Et pourquoi il me dit que j'ai pas fini ? C'est qu'il manque des infos, mais je comprends pas... Est-ce que je peux... Faudrait que j'aille sur le toit, peut-être, pour voir s'il y a des indices. Peut-être des choses que... Ah, voilà, il y a des choses que j'avais pas trouvées, voilà, bien joué, ça. Donc, la fameuse chaussure du monsieur. Donc, coincé par un boulon sur le toit de la voiture, une chaussure correspondant à celle trouvée sur la victime. Ok. Lourd fardeau, empreinte de pas. Hein ? Trace de main. Donc le mec est monté, s'est coincé là-dedans et est tombé comme un caca. Et c'est tout ? Donc personne ne l'aurait tué ? Il y a d'autres infos quelque part ou pas ?
Lancer une accusation. Donc là, j'ai officiellement tout trouvé, donc je sais même pas pourquoi je continue de chercher. Là, il me dit que je peux lancer une accusation. On va aller réécouter Viviane, parce que voilà. Donc déjà, il y en a qui l'ont vu arriver en courant. On l'a vu au tout début, ça. Donc elle serait allée dans le wagon restaurant, mais ça, elle le dit déjà. Non, calme-toi. C'est pas toi que je veux. C'est la madame. Oh, d'accord. Je flirte avec les Rupins et le barman leur verse un soporifique. Je les ramène dans mon compartiment et ils s'endorment avant que j'aie à... Enfin, vous voyez. Ils se réveillent en pensant qu'ils ont pris du bon temps et ils me laissent quelques billets. C'est ce qui s'est passé avec Monsieur Kilian, mais il était parti avant que je revienne de la voiture restaurant. Il était parti avant que je revienne de la voiture restaurant. Quelqu'un a glissé un billet sous ma porte quelques minutes avant minuit. Il me disait de me rendre à la voiture restaurant. J'y suis allée, mais il n'y avait que Ryan et l'homme de Wolf. Très éméchés tous les deux. Alors, il y avait Ryan et Sam dans la voiture restaurant. Viviane, elle est allée là avant minuit. Donc, ça veut dire qu'il restait que Angus Wolf. Et soi-disant, il est allé se coucher. Donc, ça peut pas être lui. Donc, il manque Peter et Luc. Donc, j'ai envie de dire Peter, en vrai, moi. Il s'est couché ici, le monsieur ? Je me suis senti fatigué et je suis revenu ici pour dormir. Et il confirme l'horaire, lui ? Enfin, est-ce qu'il peut nous dire que c'est avant minuit ? Ça nous arrangerait. Il n'a plus qu'un verre, mais il s'est senti terriblement fatigué. Il est allé se coucher en... C'est où les traces de main, du coup ? J'ai oublié. Ça aussi, c'est important, finalement. Merde, je sais plus. Loin, en fait. Et donc, du coup, ici, on est où ? On est sur... la voiture voyageur. Lui, c'est Ryan, c'est ça ? Non, lui, c'est Luc. Merde. Peter travaillait avec moi à la fonderie. Il est très costaud. C'est Peter. Il est où ? C'est là-bas. Non. Au secours. Tout se ressemble. Peter ! Viens ici, mon beau. Accusé. Je lui ai donné ce qu'il méritait. Ah, ben voilà ! Utiliser mon petit cerveau. Ça fait plaisir. Yes. Je pense que cela cache quelque chose. Les industriels suscitent beaucoup de colère ces temps-ci. Vous devriez chercher à en savoir plus. Ah non, mais les PNJ étaient méga loin, ok. Super. Super. L'industriel Matthew Kilian a été drogué puis jeté du toit du train en marche par son ancien associé Peter Jaspers. Remplacé par une machine lors de la mécanisation de la fonderie de Kilian, Peter a retrouvé un emploi comme serveur à bord du train. Mais un soir, Peter s'est rendu compte de la présence de Kilian dans le train. Peter n'avait jamais rencontré Kilian, mais l'a reconnu en raison de la publication de son portrait dans un article récent. Oui, j'aurais juste dû me méfier au fait qu'il était devenu blanc, etc., et qu'il était costaud, mais bon, au moins j'ai bien vérifié. Peter, sachant que Viviane, une passagère habituelle, escroquait les riches voyageurs, a attendu qu'elle attire Kilian dans son compartiment. Il s'est débrouillé pour envoyer Viviane à la voiture restaurant grâce à un message anonyme. Peter, qui ne manque pas de force, a hissé le mania sur le toit du train, d'où il l'a jeté à minuit. Angus Wolf, concurrent de Kilian, espérait le saouler suffisamment pour l'empêcher d'assister à un rendez-vous d'affaires le lendemain, mais Wolf a été victime du somnifère et a dormi pendant toute l'affaire. Quant à Peter, le meurtrier, peut-être a-t-il fait justice, mais il va devoir rendre des comptes devant les tribunaux. Et voilà. Voilà, voilà. Travel across the seas, New York, Québec, Casablanca, Cairo, Cape Town et Bombay. J'adore ces petites affiches, elles sont vraiment très très kitsch. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut se peser ? Incroyable. Ok.
Donc voilà, on a fait la petite enquête de début de session. Voilà, on est content. On va se mettre en route pour des affaires un petit peu plus sanglantes, hein, a priori. J'ai envie de commencer un peu la libération de Westminster. Ah mais vous avez vu, le coffre il est là. Et vous avez vu à quel point il faut que je m'approche pour que le jeu le détecte. C'est un truc de fou. On va tellement galérer à récupérer tous les coffres et tout. Ça va être un enfer. Faudra vraiment utiliser les oreilles aussi. Parce que là, je l'ai plus repéré à l'oreille qu'au visuel. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien aller à l'extérieur en fait. Comment on fait? C'est où la sortie? Je suis en train de me paumer. Au secours. Hein. En train de me paumer. En plus, on était rentré quelque part par là, c'est qu'il doit y avoir une sortie. C'est où? En plus, j'avais atterri à côté du monsieur qui était par là. Bon, sinon, je me TP et on s'en fout. Ouais, on peut faire ça. Hein. Tant pis, je chercherai une autre fois. Tac, tac. Bon, on va se mettre là, hein. Big Ben, fait plaisir. Et on va se diriger vers une première activité. Première activité d'assassin. Allez, on est parti. Hein? Pourquoi j'ai pas confiance? Hi! Oh, ce plongeon! Jamais de la vie t'arrives à tomber aussi lentement, c'est impossible. Ah. Et avoir si peu de rotation, ça me paraît un peu étonnant. Ok. Par où on va? Droit. Heureusement qu'il y a des feuilles. Tout à fait. Les feuilles qui carient. Qu'est-ce que c'est joli ces bâtiments là. J'aime beaucoup le quartier de Westminster. Hein. Très British. Doucement. Allez, je me gare en plein milieu, bien sûr. Hop. Bon, on va éviter de rentrer comme un kia-kia comme ça. Hein. On va essayer d'avoir une stratégie à minima. Je peux pas espérer monter là, par exemple, et avoir un grappin pour aller de l'autre côté. Oui, calme-toi, le jeu. On arrive. Hop. On va déjà prendre de la hauteur. Et là, je fais... Allô ? Donne-moi un grappin STP. Montrons là, peut-être. Ah. Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. Alors, quel est le bail? Oh merde. Nice. Calme-toi, mon dieu. Alors, tu es Edgar Codicott, tu es la garde du corps en effectuant un assassinat aérien. Ah, contre quoi? Contre le garde du corps ou contre Edgar Codicott? On ne peut pas quitter l'ordre, monsieur. Ils nous traqueraient. Ils sont déjà là, en fait. Ok, j'ai vraiment eu un bon call de monter ici, mais... Eh bien, pas moi. Ok, alors... Non, pas de saut de la foi. Calmons-nous. Alors, la cible, en général, c'est... Il parle de Edgar Codicott, donc va falloir que... attention à ce que je fais. Qui me voit? Quoi? Ah merde, il voit les cadavres d'aussi loin lui. Attends. Arrête de bouger s'il te plaît. D'accord. Je vais aller voir. Ma collègue est décédée. Et viens. Voilà. Hein. Allez, c'était cool, hein. Salut. Je me casse. Et hop. Trop facile.
Easy. Je suis vraiment arrivée genre au bon endroit quoi. C'est fou. Alors du coup on va en profiter pour nettoyer un petit peu la zone quand même maintenant qu'on y est. On va aller faire ça. Et normalement... Ouais, il n'y a plus personne, on est d'accord. Nous sommes seuls. Ok, nice. Nice, nice, nice. Il est où le coffre? Oula. Il doit être en dessous du coup. Et lui. Bah meurs. C'était un bon call, je pense. Alors qu'est-ce que t'as fait du coup pendant ces cette dizaine hein. Tu disais que c'était un peu c'était un peu overbooké. Chasse aux primes, ouais, allez. Juste faire le tour du bâtiment quand même. Ah, elle devrait s'en ficher de moi. Non. Vous là-bas ! D'accord. Bon bah. Pas de problème, hein, moi ça me dérange pas. Hein. Tuer des Templiers comme ça là. Ah, non, ça c'est d'explosif. On dirait qu'il n'y a rien d'autre sur le bâtiment. On peut passer. L'activité suivante. Je me remets un peu à jouer au guesseur là. En ce moment, j'y joue pas en fait. Je joue le dimanche après-midi chez Guizé. Ce serait bien que je m'y remette un peu. Hop. Ok, c'est cadeau. Partez! Ville maintenant. Un truc. Oh là là. De toute façon, c'est pique avec une aisance. Attendez, j'ai entendu un truc qui fait dung dung. Il y avait une boîte à musique. Là! Attendez. Déjà, je vais me mettre en face pour ça. Non, ça marche pas. Really? Really? Comme ça? Ah non. Ah non, bien sûr que non. J'ai dû pas mal travailler sur mon projet. J'ai eu une grosse maquette à faire en solo. Waouh, ça m'a pris 55 heures sur 3 jours. Sur quoi? 55 heures sur 3 jours? J'ai moins d'heures de jeu sur Syndicate actuellement. Syndicate, là, j'ai genre... j'ai dit combien? 30 ou 33? Entre 30 et 35 en plus. Tu as fait ça en 55 heures sur 3 jours, bah franchement, I know you feel, parce que pour avoir fait le Gaming Force d'action où j'ai fait, je sais plus à combien d'heures de stream j'en étais d'ailleurs, mais j'ai fait ça sur les 3 jours sans quasiment dormir, j'étais éclatée. Ouais, le sommeil not stonks, exactement, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Bah écoute, GG bro. GG bro. Bon, ce serait possible que j'arrive à faire un truc décent. GG. Alors, non c'est pas comme ça, comment on fait? Je peux pas juste sauter comme un caca, bah non. Mais là ça va pas marcher non plus. Ou je saute alors? Non ok, fallait juste bien s'aligner, ok. I'm okay with this. I'm okay with this. Hop là. Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes. En ce moment, en fait, j'aime pas acheter de l'eau en bouteille. Mais j'aime pas trop non plus boire de l'eau comme ça. Du coup... Et arrêtez-moi. Et du coup, j'ai acheté de l'eau en bouteille, mais de l'eau gazeuse. Du coup, je bois beaucoup en ce moment, ce qui est bien. Je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. Hein. Attention, d'eau.
Et donc, du coup, le drawback connu, évidemment, c'est que j'ai envie d'aller pisser. Il faut que j'aille enlever le monsieur là-bas. Et bah, comme d'hab, hein, on change pas une équipe qui gagne. Là, ça pique, je suis en train de faire mes comptes. Ah! Ah, bientôt, ce ne sera plus un problème. Il faut que je fasse mes comptes aussi. Mode, faut que je rende à Tirs, partage les frais, tout ce qui est appart, etc. Donc, ouais. Bon, allez, on va vous faire se battre un petit peu. À la range, ok. Je peux pas avoir vous autres là? Ah, parfait ça. Voilà. Pas la range. On est d'accord qu'il y a personne d'autre là en termes de garde? Ouais. Hein. Mais ils s'en fichent ou... Ou pas? Ils sont immunisés? Ils sont immunisés, c'est ça? Ils sont trop forts? Oh! J'avais pas envisagé cette possibilité. Elle meurt du coup. Elle meurt. La range. Ah oui, par contre, j'avais pas vu le truc là. Ah, oh, mettez-vous bien en dessous, SVP. Bon, tant pis. Ah non. Ah si, il va s'enfuir. Est-ce que la cible s'enfuit? Non. Merde, la cible s'enfuit. Oh, c'est trop tard. Il s'enfuira. J'ai pas compris là pour les fléchettes. Je pensais pas qu'il fallait que je les améliore pour que ce soit plus efficace sur les ennemis. Tant pis, on va fuir. Ça va juste cancel la quête. Ça va rater. Allez, salut hein. Ouais, le problème c'est que si on watch on... enfin si on alerte trop les gardes, effectivement. C'est bon là ou pas? Lâche. Et wesh, lâche. Le problème c'est que voilà, si on alerte trop les gardes, après la cible elle s'enfuit. Faut vraiment le faire plus bas, c'est ça que vous me dites? Oh là là. Il y en a un là-haut, là. Qu'est-ce qu'il est? Il est là, ok, bon. Là, dans le sens où j'ai pas de carte de crédit, mais ça fait dommage. J'ai pas revu mes comptes sur ma carte de débit, donc je profite d'avoir du temps libre. Ah ouais, c'est vrai que vous avez beaucoup de bails de carte de débit, carte de crédit, alors que nous, c'est... Enfin, genre, nous, on a genre crédit et c'est tout, tu vois. Je connais personne qui a des cartes de débit. Mais du coup, c'est la merde parce que dans certains pays, genre la Belgique, typiquement, alors la Suisse, du coup, je savais pas, mais j'ai dû savoir un jour. Nous, ça nous met dans la caca parce qu'on peut pas, je crois, payer avec les cartes de crédit dans certains pays, genre la Belgique. Il faut des cartes de débit et on n'a pas ça en fait. Donc t'es obligé de payer en espèces, c'est un peu la tristesse. Voilà. Voilà. Mais c'est bien, t'as raison, fais tes comptes pendant le début de ton temps libre, comme ça après tu pourras faire encore plus de choses sympathiques. Mieux de commencer par le pire. Bon, au secours quoi, vraiment, je suis obligée de faire le tour. Aïe aïe aïe. Ok. Hey. On va faire un tour au shop. Juste ici. Un magasin sont moyen chaud sur les cartes de crédit du haut frais. Ouais, bah c'est... Je sais pas. Peut-être que j'y connais vraiment rien, mais je trouve ça étonnant quand on voit que dans d'autres pays, bah ça marche très bien, tu vois. Oh, une chasse aux Templiers à ciel découvert, là. Voilà.
Alors du coup, avant de faire de nouveau des bêtises, ce serait peut-être bien qu'on améliore les fléchettes hallucinogènes aussi. C'est bon, je suis anonyme. Ok. Amélioration. Oh, il manque le plan. Ah ouais, c'est la caca. Par contre, on peut améliorer ça. On sert pas, mais on peut l'améliorer. Parce qu'il viendra peut-être un jour où ma seule solution, ce sera ça. Et ensuite, quoi, on peut refabriquer? Non, c'est bon, je suis au maximum, ok. Amélioration de fléchette, et j'ai pas le plan. J'ai pas le plan. Ah voilà, donc ça c'est vraiment mes passages préférés, parce que faire autant de kills sans hauteur, j'ai un peu du mal. J'aimerais bien déjà voir et m'approcher en train de faire voir pour déclencher les objectifs optionnels et voir ce que je vais avoir besoin de faire. Hein, coucou Dickens, t'as pris ton maillot ? Petite baignade. Bon. La cible est d'une bombe voltaïque. Ben, voyez. Bien fait. Plus approprié que moi? Oh, qui peut être plus approprié que Béatrice Gribble? Qui? J'ai du sang noble. Je descends de la famille royale des... Comment on peut tuer quelqu'un avec une bombe voltaïque? Pas censé être que du stun? C'est que... Je me sers tellement peu des bombes que je sais pas comment ça va se comporter. Je freak out un petit peu là. Non. Du coup, ouais, je peux pas utiliser des fléchettes, enfin des couteaux et des bombes voltaïques. Et elle, qu'ont-elles fait? Rien. Ces femmes nanties n'ont rien fait de toute leur existence. Mais cela ne les empêche pas de croire que tout l'aurait dû. C'était peut-être pas le meilleur move de ma vie. Go, hein. De toute façon, au pire, ça les stun. Hein. Ah ouais. Ouais, il y avait une madame. Bon. C'est bon? Faut attendre un peu, en fait. Faut attendre qu'il se relève. Mais bon. Bon, désolé pour la madame, j'ai pas forcément réfléchi à la question. J'avoue. Voilà, bonne chose de faite. Ils étaient bien là, posés sur leur petite île au milieu de la flotte. Donc c'est bien parce que ça va nous pousser à vraiment améliorer les équipements. Bon là j'ai plus grand chose à améliorer mais... Effectivement je m'attendais pas à ce que ce soit un peu plus dur peut-être. Ah oui, donc là on va ramasser des lettres qui je crois sont du contenu spécifique au quartier de Westminster. C'est la correspondance royale, il me semble. Et on n'ira pas la lire tout de suite. Ouais, on a vu la dernière fois qu'il y avait tellement de lore ajouté dans le jeu, là. Et aussi que je lirai ça un jour, peut-être en live, mais bon. Je sais pas s'il y a un live lecture, ce sera vraiment passionnant. Mais ouais, je pense que je vais avoir 2-3 surprises, peut-être. Ils ont fait des efforts aussi là-dessus, hein. Enfin, des efforts. Enfin, ils ont globalement toujours fournir du lore au jeu. Mais là, en plus du lore, notamment dans la période là sur la Première Guerre mondiale qu'on a faite, là, la sorte de petit scénario alternatif, là. Ah, si, on peut monter aux arbres. Ok, donc ça dépend vraiment des arbres. On a même du vrai lore, quoi. Des trucs qui sont tirés de... Même pas de faits réels, c'est que c'est des vraies lettres de vrais gens qui ont écrit pendant la guerre, quoi. Et c'est trop cool, je trouve.
Oh, trop cool. Tu vas faire quoi de ton week-end du coup, Chiquitin? Des poules! Elles ont pas peur de moi? Ah si, c'est bon. Poulet, poulet. Le lari du poulet. De chanter si vous le pouvez. Le laridé du poulet. Nouveau titre. De Pain of Chaos. N'hésitez pas à aller voir Pain of Chaos, le créateur de Nihilbuck. Principalement dormir et sinon je sais pas trop. Probablement petite soirée avec des potes demain soir. Nice. Ah, voilà, la petite soirée avec les potes, ça sera le week-end prochain. Il y aura peut-être un ou deux lives qu'il faudra que je déplace. Et là, c'est cool. On va commencer là en mai. Ils vont nous enlever quasiment toutes les restrictions. Donc je pense qu'ils le font plus parce que les Français sont en train de déprimer. Parce que je pense qu'on est... Je crois qu'on n'est même pas encore à 50% de vaccination. Alors pour moi, aux dernières nouvelles, on était à un peu entre 10 et 20%. Mais ouais. Ils vont commencer d'alléger les restrictions. On va peut-être bientôt pouvoir retourner au cinéma d'ailleurs. Alors, ils nous ont mis quand même à ceci près que voilà, si ça va se faire par étapes. Et une des grandes étapes, c'est effectivement la réouverture des ciné, des bars, etc. Et ils disent, bon, on le fera, mais si entre-temps, on se rend compte que ça dégénère, bah, on va roll back. Donc peut-être qu'un jour, nous verrons Kaamelott. Peut-être un jour. Heureusement, il peut tout louer. Ah. Nous, on a eu de la grosse pluie hier, d'ailleurs. Dans ma rue, actuellement, il y a des travaux. Il vient à peine de commencer et à cause de l'eau, genre ça a inondé toute la rue. T'avais des flots d'eau qui sortaient d'un coup de sous le sol, quoi. C'était un peu angoissant, mais bon, ça s'est bien passé finalement. Non, c'est pas là. Je me suis fait pranked. Là. Bonjour messieurs dames. Les terrasses ont réouvert le 19 ici, ça fait du bien. Tu m'étonnes. Trop envie d'aller. Voir une petite... un petit Monaco. Un petit Monaco dehors avec le soleil. Vraiment trop envie. Je vais juste... oh ouais, on va faire un truc bien. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Ah mais c'est vraiment aller loin pour pas grand chose. Mais en vrai ça me ferait rire. Je vais aller faire pipi. Mais... Je ne vais pas vous laisser à juste regarder la map. Je vais voir si je retrouve un truc qui pourrait faire office de musique d'attente en attendant que je revienne des toilettes. Rien que le fait de voir des gens dehors, ça me rendait heureux. Après, je sais pas, hein, chez nous, il y a tout en eu du monde dehors malgré les couvre-feux, etc. Donc, moi, ça a pu être le fait que, ouais, on va pouvoir aller dehors, qu'on va peut-être enfin pouvoir retourner aussi travailler sur place. Alors, voilà, comme ça, ça fait un peu genre la meuf... réac et tout, qui est en mode genre oui, le télétravail c'est pas bien. Non, non, le télétravail c'est trop cool. Mais pas tout le temps. Genre vraiment, pas tout le temps parce que ça me déprime en fait, à force. Vraiment, ça me déprime. J'aime bien l'idée d'avoir des autres pour interagir. Enfin, des autres. D'autres personnes avec lesquelles interagir quoi au quotidien. Je me suis fait bully. Ah non mais du coup j'ai raté le machin ici, c'est pas grave. Il y a personne dans le minibus, je prends. C'est à un pâté de maison, hein, littéralement, mais... Vamos. Ah, mauvais plan. Voilà. Est-ce qu'ils y sont encore? Oui. Voilà.
Tais-toi. Voilà. Une chorale. Je sais avec ça. Bon, je vais faire pipi. Insupportable ces gens qui parlent à côté. Arrêtez de parler. Écoutez la musique. Mais au secours, taisez-vous. Je tue toi. Britannia. Allez, je suis reviendu, donc on va faire le plein. Wow, il y a un truc ici, comment je fais, wesh? Alors, attendez. Donc les chissons. Oh! Oh non, je suis triste, je pensais qu'on pouvait rentrer à l'intérieur. Non, on peut? Non. Attendez, je suis curieuse. Allez, j'ai pas vu la réponse du coup. Oui, mais dans le sens voir des gens nouveaux, rien qu'en étant posé au resto, voir des visages que tu connais pas. Ah ok. Oui, genre voir d'autres gens, ouais. J'imagine. Mais attendez. Attendez. C'est pas là que... On a enterré le prince, enfin... C'est pas là, le caveau royal? Non, c'est pas là. Non, c'est pas là, je suis teubée. Et on peut rentrer là-dedans, ça fait plaisir. Il y a un monsieur dans le mur, actuellement. Voilà. Mais ça a l'air d'aller. Oula, oula, oui, ça a l'air de bien aller, ouais. Oula là, là. Les petits bugs de texture qui font toujours rire. Ah, accroche-t-on. Voilà, bientôt, il va falloir que je... Mais c'est dehors, je suis triste. Il va bientôt falloir que j'aille récupérer les sous. Dans le train. Oui, c'est Westminster. Ah. Alors que, non, non, là où il a été enterré, c'est... Enfin, là, il repose dans le caveau royal en attendant que la reine meure. Et du coup, le caveau royal, il est à... J'avais le nom il y a 2 secondes. À Windsor. Voilà. Donc non, là c'est Westminster, mais c'est pas là que s'est passée la cérémonie. C'est à Windsor. Et Windsor, on n'y a pas accès ici. Voilà. Orage. Oh, je suis en train de penser à demain matin quand je vais me lever que je vais aller chercher une viennoise à la boulangerie. J'ai un peu une âme de grosse hein, des fois. Hein. Bon.
C'est du chocolat. Chocolat, c'est cool. Alors, si je vise par là. Voilà. Parfait. Tout simplement, je la trouve effrayante, cette tour. Pourtant, Big Ben, j'ai pas de soucis. Mais là, cette tour, ma mégalomanie me fait avoir des frissons. J'aime pas ça. Je trouve ça trop grand, en fait. Ça me... Pourquoi c'est comme ça, au secours? Oh, une chasse aux primes, ici. Rigolo. Rigolo, rigolo. En vrai, ce serait bien qu'on termine ce quartier ce soir, parce que je pense que ça va nous faire prendre pas mal de pourcentage dans la progression. En nous affranchissant d'un contenu sympathique, mais quand même un peu répétitif à la longue. Regardez la cible en vie, bah oui. C'est prévu. Ça fait pas plaisir, mais c'est prévu. Oh là, où est-ce que je vais là? J'ai zéro range ici, enfin je veux dire, c'est pas possible. On peut descendre un peu? Alors il y a un coffre juste en bas. Oh, ça va être tellement chaud. Oui, ma cible. Ok. Merde. La cible est déjà là. Vraiment faire gaffe de les one-shot et pas de les blesser. Parce que sinon, lui, il va s'enfuir, comme tout à l'heure. Alors, c'était pas exactement lui, mais... Vous avez compris l'idée, quoi. Arrête de gigoter. Oh, sinon. Ok. J'exige de savoir ce qui s'est passé. Et tout de suite. Ok. Je pense qu'on peut finir en descendant, hein. Ça paraît pas spécialement déconnant. Cool. Vais-je mourir? Peut-être. T'es trouvé! Et en... Ah bon Dieu, je t'avais dit de rester près de moi! Ok. J'avais pas pensé à elle, je suis un peu conne. Très bien. Je suis en train de refaire syndicat sur PS5, quel dommage, énorme bug de luminosité dégoûté. Salut Mathieu. Oh, jure. Ok, moi j'ai eu 2-3 bugs de luminosité dans le jeu, mais j'ai surtout eu des bugs plus de fonctionnement du jeu, qui sont un peu tristes. Ma question c'est si je siffle là, elle vient je pense, mais lui... Je pense qu'il faut que je tente une manœuvre de sortie. Parce que je suis très mal placée là en fait. Et mon coup. Allez, tourne-toi là. Va regarder ailleurs. Oh, tant pis, au pire je rate. Hein. D'accord. Ok, c'est bon, ça s'est bien passé. J'ai sifflé sans faire exprès, quoi. C'est vraiment la pire. Et là. Bon bah, meurs alors. Voilà. Comme ça, on peut descendre sans risque. À part en perdant une rotule, évidemment.
Bien. On va continuer de faire le tour. Et du coup, tu penses que c'est dû à quoi ton bug? Enfin, genre, tu l'as partout? Ça fait quoi exactement? D'accord, tout le monde est mort normalement. J'ai dit normalement. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Je t'ai dit de me lâcher. Bandit. Pas de bruit, compris? Silence, monsieur Harley. Qui t'envoie? Silence. Femme. C'est la police! Une scène d'esprit aurait l'inconscience de m'arrêter. J'agis pour le bien de tous. Cette abbaye doit être rasée. Il faut purifier la religion. Ah oui! Il faut surtout purifier les purificateurs. J'ai rien contre la religion. D'accord? Enfin. Pas forcément mon truc préféré. Maintenant, non, on va pas détruire le truc. On va pas détruire l'abbaye, elle est trop belle. Maintenant qu'elle est là, qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? Laissez-la! Laissez-la où elle est! Au secours! On m'a enfermé! À l'aide! Oh, je me fais même pas poursuivre! Doudou! Hop! Parfait ça! Très smooth! On a failli choke, mais très, très smooth! Et voilà! Parfait. Lâche-moi, Bali. Merci encore. C'est un bug connu de Ubisoft. Ça fait comme des éclairs quand il y a le soleil. Nickel quand il pleut. Ubisoft m'a dit, vous êtes sur un collectif. J'y crois peu. Du moins, ils le sortiront pas dans l'immédiat. Merde. Mais c'est que sur PS5. Quel enfer. Ben ouais, je suis en vrai. Hein. Buggy soft, hein? Buggy soft. Est-ce que j'ai pas les 5? Ok. Ça m'arrive de temps en temps que t'aies des murs où la luminosité est mal calculée ou ne charge pas. Du coup, t'as un mur ultra sombre une fois de temps en temps. Mais is ok, quoi. Et moi, j'ai vraiment eu des problèmes de bugs. Genre, quand tu charges une mission depuis le suivi de progression, en mode tu veux refaire une mission, bah je tombe dans une boucle infinie. Parce qu'en gros, le jeu considère. Enfin, a mal calculé la position du personnage. Du coup, il me TP quelque part, sauf qu'il a pas mis à jour la position du personnage par rapport à la mission, et du coup, il part du principe que je suis out of bounds, hors des limites, et du coup, il me fait recharger en boucle, parce que pour lui, je suis pas... Enfin, je suis sortie de la zone du jeu, et du coup, il me désynchro, tu vois. Du coup, j'ai pris une mauvaise décision pour mon 100%, c'est que j'ai absolument pas tryhard, enfin, en tout cas pas trop, tous les objectifs optionnels. Du coup, j'ai très peur de tomber régulièrement dans cette boucle infinie. Alors, j'ai pas remonté le bug parce que je sais pas comment faire. Je sais pas. Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Je sais pas où est-ce qu'il faut. Enfin, bref. Quel est le meilleur outil pour avoir une chance que la requête, enfin, que le ticket soit pris en compte? C'est surtout ça, je pense. Et du coup, j'ai pas fait de retour. Mais bon, j'avais quand même trouvé un poste. Sur je sais même plus si c'était sur jeuxvideo.com ou pas, mais bref, j'ai trouvé un... Bref, quelqu'un qui a expliqué pourquoi ça faisait ça. Et qu'a priori, il n'y avait pas de solution non plus. Et je pense que c'est juste un problème où il recalcule pas la position du joueur. Du coup, bah forcément... Et de temps en temps, ça fonctionne, genre... Mais c'est aléatoire, quoi. Et par exemple, il peut avoir refonctionné une fois, et mettons, je me désynchro pour une autre raison. Genre, je suis nul, ce qui est une très bonne raison. S'il recharge après, parce qu'il va recharger après du coup, il va quand même rater. Donc il y a un truc qui est mal fait quelque part, et... J'ai un peu peur pour mon 100%, quoi, mais j'essaye de pas trop y penser. Quand j'ai vraiment la foi, en général, je tryhard un peu les missions quand même, quoi.
J'ai bug sur bug sur Valhalla. Ouais, tu m'avais dit, il manque un bug, c'est ça, pour faire le 100%? C'est pas ça? Aussi, à environ 35% du jeu, j'ai pas tryhard à fond également. J'espère que ce que tu décris ne m'arrivera pas. On parle toujours de syndicat à ce niveau-là, ouais. Hein. Bah écoute, ouais, bah, j'espère pour toi aussi. Après, t'es sur PS5, peut-être que moi j'ai. Enfin, que ce problème-là est exclusif au PC. C'est peut-être. Enfin, genre, c'est pas impossible, tu vois. Et du coup, bonne chance à tous. Voilà, c'est la conclusion de. C'est la conclusion de ma réflexion à ce sujet. Enfin, tuer discrètement le messager. Je suis nulle à ça. Voilà. Je m'enfuis. J'ai pas réussi du coup. Ils ont eu des soupçons, c'est ça? Ah, il y a un truc là-haut. Parfait. Faut être tellement prêt pour découvrir les items là, c'est chaud. On va passer un petit moment, moi je vous le dis. Hein. Il y a quoi comme style de bug du coup sur... Je suis une connasse. Non. Sur Valhalla du coup. En fait, c'est pas plus mal finalement que je joue au jeu avec un peu de retard, parce qu'au moins je me tape pas les bugs chiants et frustrants du jeu que t'as pas envie de rencontrer quand tu démarres le jeu, parce que t'as envie que tout poutrer et tout. Oui, plouf. On est arrivé donc dans ce sens-là, hein, et non pas dans ce sens-là. Ah, j'arrive pas à vous faire correctement. Mais tout va bien. Nous avons survie. Nous avons survie. Je suis sûr que ça vous sera très utile. Quoi? Où ça? Mais c'est loin, arrêtez vos conneries. C'est des vilains. Venez, on va se battre un coup. J'arrive rarement à temps. Ok, nice. Très bien, voilà, une bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi ça? C'est le truc que j'ai raté tout à l'heure, non? Non, c'est le repère de bande. Ça va être tellement classe, un repère de bande ici. Je veux. Lui, les plans. Tuer le chef sans vous faire détecter. Bien sûr. Non, je veux pas un saut de la foi, moi. Je veux juste un petit peu descendre. Alors, 14 blighters, très bien. J'ai la range ici. Non. J'ai pas la range là non plus. J'ai ma box qui a fait un décès dead. Quelques secondes, j'ai eu peur, rarement ouf ce genre de truc un vendredi soir, j'avoue. Voilà, elle a peut-être juste besoin de redémarrer, hein. Et au pire, il y a la 4G. Je sais pas si c'est... Enfin, j'ai appris récemment qu'en Belgique, la 4G, c'était cher. Je sais pas ce qu'il en est en Suisse. Après, en Suisse, tout est cher, je crois. Globalement, hein. Si j'ai bien compris le bail. Du coup, j'allais dire go 4G, mais si ça se trouve, tu vas me dire non, je suis étudiant, je mange des pâtes. Je suis vraiment nul, hein. J'ai pas visé la tête, hein. Okay. Alors, si j'étais des plans. Voilà, visiblement. Alors attendez. Parfait. Oups. Bon, ça c'était pas forcément utile. Donc les plans c'est là-bas, ok. Non. Au secours. Ouais, globalement tout est cher, mais oui, j'ai un abo 4G limité. Nice, cool, comme ça tu peux
quand même venir me voir, hein, malgré tout. Voilà. Moi, je les tue à côté des flics, hein, je m'en fiche. Ah, j'ai pas ce genre de soucis. Quoi, c'est lui le chef? Ah non, il est marqué tué, mais on s'en fout. Voilà. Ok. R, 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 non, R. Allez! Ok, les plans, c'est bon. Non, il manque plus qu'à tuer tout le monde, dont la chef. Tu vas là au niveau des coffres lors de pillage, tu fais signe aux membres de ton équipage que tu as besoin de son aide, il ne vient pas. Et d'autres dans l'émission, trop long à expliquer, tellement il y en a. Waouh. Ouais bon, en même temps c'est le jeu du moment, donc là pour le coup je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire, ils vont livrer des trucs. Mais ouais, mais typiquement syndicate et tout, la priorité de livraison de bugs, elle est un petit peu nulle en fait. Donc syndicate... Autant je suis contente parce que je pense que je me suis débarrassée de pas mal de bugs. Mais les restants, à moins d'un truc ultra simple qui coûte pas cher et pff, même ça, je suis même pas sûre. C'est la vie. Ils ont pris des décisions sur la manière de gérer leur jeu. Bon bah... Pff, ça a les conséquences que ça a quoi. J'aimerais bien tuer la chef en assassinat aérien. Ah, je peux faire ça. Bah. Je sais pas viser. Je sais pas viser, mais c'est pas grave. J'ai remonté le bug à Ubisoft. Il n'est jamais résolu lors de leur mage. Quasi mensuel. Parce que peut-être ils ont un truc plus... plus bloquant. Je sais pas. Et là, on fait... Allô, je veux la range SVP. Allez là, je veux faire un truc classe, donc s'il te plaît, sors de dessous de la maison. Plus vite. Oh. Et je... Je suis morte. Et un petit Bobby. Quoi? Oh non, les flics, ça... La vie est nulle. Le flic, ça a compté. Non. J'ai le seum. Merde, j'ai pas pensé à la police. Alors du coup, voilà, on va faire une petite démonstration. là. Mais c'est ça. Alors, on va voir si ça marche. Parce que ça a marché avec certaines, mais d'autres, ça marchait pas du tout. Enfin, ça marchait pas du tout aussi, ça a marché au bout d'un moment, mais un très long moment. Donc là, on charge, et si tout va bien, on va arriver sur la mission. Mais si ça marche pas, en gros, il va y avoir cette ambiance un peu grisâtre, rougeâtre de « tu te fais des synchros ». J'ai de la chance. Par contre, du coup, j'ai 13 couteaux pour 14 meurtres. Bah, c'est bien, ça fait un couteau par Blighters, plus... Non, ce qu'il faudrait surtout faire... En fait, je sais pas si... Quand je tue la chef, et qu'il y a des gardes, enfin d'autres Blighters qui sont dans son champ de... Dans son périmètre, là... Oui, ils vont s'enfuir, et du coup, j'aurais pas besoin de les tuer, mais est-ce que je serais considérée comme détectée ou pas? C'est la question. Non, arrête de bouger. Ah, oh, merci. Merci PA pour le réabonnement, merci beaucoup. Comment on va? Ok, cool. Bon. En forme ce soir, hein, je retraire de la mission. Et où sont les trucs? Est-ce que depuis tout à l'heure je tue pas les bons monsieur? Je pense que c'est bon en vrai.
Du coup, j'ai envie de try quelque chose. Ça marche pas, je vais être triste. Au secours. Il y a des armes qui tombent du ciel, mais c'est pas grave. Easy peasy. Ah mais voilà, mais du coup il y a des flics. Attendez. Situation idéale. Voilà. En fait c'est vous. Où sont les flics là-dedans exactement? Là. Allez. Faites du ménage. Regarde. Mais non, mais mes fléchettes, elles sont pas assez puissantes. J'avais oublié. C'est des niveaux 9. Et visiblement, ça marche pas. Mes fléchettes, elles sont nulles à chier. Oh. J'ai pas trouvé le plan pour les améliorer. La vie est d'une nullité. Bon, mais par contre, on s'en fout. Je peux juste faire ça, en fait. Nous allons écraser. Voilà. Bien. Très bien, très bien. Ensuite, non, non, en fait. Oui, ok. D'accord, qu'il n'y a personne d'autre de particulier. Yeah. Bon, déjà, on a économisé des couteaux. C'est cool. Ah, t'as joué à Geoguessr, cool. Alors, c'était bien. Bon, ouais, bah écoute, ça s'est bien passé. Merde, je suis un caca. J'ai zéro temps de réaction, c'est incroyable. Hop là, c'est bon. Donc non, écoute, ça s'est bien passé. Voilà. Défi réussi. Il faut d'abord que je m'occupe des plans. Sinon, je vais être triste d'avoir oublié. Là. Ah, les maps monuments. Ouais, j'avoue, ça va être sympa, ouais. Yes. Et du coup, tu me diras quand tu seras. Enfin, voilà, il faudrait qu'on commence à penser à faire cette fameuse réunion où. On se prépare pour le live JDR et qu'on trouve une date. Ce serait cool. Comme ça, je peux programmer mon fameux live de 12 heures, incluant donc le JDR et le live horreur. Et hop. Voilà, donc dès que tu... Et attends. Faut que je la tue, elle? Non, c'est pas elle qu'il faut que je tue, je crois. Il manque un Blighters, il est où? Ah si, c'est bon. Donc quand ils s'enfuient comme ça, il faut quand même les tuer. Ok. Bon, l'avantage, c'est qu'ils m'auront pas embêté. Etc, etc. Ok, cool, ça s'est bien passé, on a pu rejouer la mission sans le bug. Et le pire, oui, parce qu'on parlait de ce bug tout à l'heure, le pire, c'est que tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tu es vraiment bloqué, tu ne peux pas faire échappe pour dire « Ok, laisse tomber, on passe à autre chose ». Non, il n'y a rien, en fait. Tant que le bug n'est pas résolu de lui-même, que le bug n'est pas résolu de lui-même, vous ne pouvez rien faire, il n'y a même pas le HUD qui s'affiche pour vous montrer votre stuff, il n'y a rien du tout. Vous voyez juste votre personnage dans le, bah, là où il a spawn, et vous n'avez pas la main. Donc il y a eu des fois où j'étais en mode genre bon bah Osef, je vais kill le jeu parce que vraiment... Vraiment non quoi. Je connais un petit peu ce genre de truc et les boucles infinies, bon... Quand c'est pas vraiment infini, déjà c'est chiant. Bref. Je pense pas que ce soit une vraie boucle infinie, hein. De toute façon il y a des moments où il trouve quoi, mais... On tape quoi. Et ça franchement je suis un peu choquée que ça soit passé inaperçu quoi. Après peut-être qu'on est que deux payons à avoir le bug quoi, mais c'est... Ne pas pouvoir rejouer du contenu que tu viens de faire, c'est un peu triste quoi. OMG annulé à la dernière minute le didacticiel pour Roll 20, donc c'est reporté. J'avais arrêté d'écrire le temps de tout ça, mais je vais reprendre pour accélérer les choses. Ok. Ok, bah tiens-moi au courant. Puis au pire, tant pis, je peux aussi faire de live
Alors, pas de live de 12 heures, hein, du coup. Hein. Mais... Tant pis, hein. Si vraiment je sens que ça va mettre beaucoup de temps, je peux... Ah, on peut le détacher comme ça. Ok, c'est bien. J'apprends des trucs. Où c'est? À l'intérieur? Oh, j'en profite, hein, je ramasse tout. Hein. J'en profite, je ramasse tout. Ça m'embête pour toi, car je vais faire en sorte de respecter la donation goal avant que tout le monde oublie que ça existe. Non, mais t'inquiète pas, hein, je vais harceler les gens. Je vais harceler les gens, t'inquiète. T'inquiète que déjà les gens n'oublient pas le jeu d'horreur. Je pense que c'est surtout ça. Hein. Finalement, il est resté dans la tête des gens, donc je vais pas avoir de mal à rappeler. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, voilà, il y aura un voire plusieurs lives sur une petite partie de JDR. Avec des copains. Faut que je bosse aussi de mon côté pour proposer aussi une interface qui pourrait être sympathique pour le live. Mais c'est vrai que du coup, de fait, pas forcément d'échéance à respecter vu que c'est toujours en cours de préparation de notre côté. Il y a plein de trucs là-bas. Ouais, bon, j'ai envie de faire autre chose un petit peu. Pourquoi ça s'est guéri, ça? Je suis intriguée, ça y est. I am intrigued. J'ai l'idée du scénar et des personnages quasi finis. On est déjà pas mal. Ouais, ouais, c'est clair que... C'est clair que c'est quand même le plus important, finalement. Donc ouais, il s'agit de quelques détails, quoi. Oh, pingouin, comment on va? Comment on va? Wesh. S'il vous plaît. Voilà. Ah, mais on va dans la flotte. Oh, il y a un... Regardez. Il y a un comme ça. Peut-être que c'est là que je vais avoir mon amélioration de flèche. Bah écoute, ça va, ça y est, je connais officiellement toutes mes capitales du monde. Donc, bien contente. Ah non, c'est de la soie marine, hein, mais c'est pas comme ça que... Non, hein. Mais non, je peux toujours pas les améliorer. J'ai pas le plan. J'ai pas le plan. Toujours avec cette vanne, hein, c'est insupportable. Hein. Où c'est vous? Où c'est vous? Oh, on peut monter par là. Nice. Sympa, ça. Ça y est, j'ai envie de rejouer à Black Flag. Black Flag. Aïe, aïe, aïe. Black Flag, je sais même pas... Faudrait que je re-regarde, mais je sais même pas si je l'ai fini à 100% Black Flag. Ah merde, je voulais pas faire ça. C'est très nul ce que j'ai fait. J'ai commencé Assassin's Creed 1 en live, ben ça pique. Ah, cool. C'est trop cool ça en vrai. T'as les rediffs d'activer sur ton sur ta chaîne? Faudrait que j'aille voir. J'ai envie de me faire un petit coup de Madeleine de Proust, si on peut dire ça comme ça. Il y a 1h30 de tuto. Ah ouais, il y avait 1h30 de tuto. Je vais les mettre sur YouTube au cas où. Nice, ah c'est bien ça. Team full VOD sur YouTube. On va monter là. Allô? Oh, c'est bon. Oh. J'ai à la fois envie de regarder et pas trop parce que j'aimerais pas trop me spoil le petit coup de vieux de la licence, mais. Ah, ça reste un bon jeu quand même. Et tu seras tellement content de l'avoir fini après. Surtout ça. Hein. Ok, ça c'est cool. Et maintenant qu'on a. Ramasser ce truc là, on va aller ici. Et je suis vraiment intriguée, je comprends pas pourquoi c'est en gris au lieu que ce soit en jaune comme les autres missions. Donc j'ai envie d'aller faire cette quête. En gros 30 minutes de tuto, puis la suite t'explique tout le jeu. Ok. Ok, ok. De toute façon, ce jeu il y a des phases, il y a des longueurs.
C'est clairement un jeu où il y a des longueurs. Voilà, c'est histoire d'être un vrai. Voilà. Tu n'es pas un vrai si tu n'as pas joué à Assassin's Creed 1. Bon, après, tu y as déjà joué, mais t'as compris. Récupérer l'orchidée de Darwin sur les quais. Non, mais je troll en vrai. Hein. Je trouve que. Un déjà bon vrai, c'est quelqu'un qui a joué à la trilogie d'Ezio. En provenance directe de Madagascar. Antananarivo ! Problème. Excusez-moi. L'un de mes associés cherche à s'approprier cette fleur et il a envoyé ses gredins son nom. Ses gredins. La femme Saint-Gouin. Faut être déter, quoi. Ah, faut aimer le jeu. Rejoindre les quais avant les hommes de main. Comment ? Va falloir faire de la course. À moins que vous ne les coiffiez au poteau. Mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? Hein ? Oh, mais nique ta mère. Pardon, enfin. Rejoindre les quais avant les hommes de main, mais je suis pas Superman, hein. Est-ce que je peux les dépasser en voiture? Alors non, on va pas voler cette voiture. Hein, on va voler celle-là, c'est déjà bien. Est-ce que c'est rattrapable? Je m'en rends pas compte. Après, y aller en tyrolienne, c'est pratique, mais pas forcément plus rapide. Hein. On gagne du terrain. Ouais, je peux y aller comme ça maintenant. Ah non, ok, ça a marché. C'est bon, il y a des ennemis. Alors attendez, je me concentre. Mais j'ai 35. J'ai vraiment littéralement 30. Ok. Putain, je suis un caca. J'ai pas vu que le timer c'était aussi pour ce truc là. Vite. Oh, fais chier. Mais... Attaque! Au secours! Elle ne m'échappera pas. Vous faites chier. Mais en plus, ils se mettent sur le coffre, je peux pas la ramasser. Ah, si vous venez chacun à votre tour, on va s'en sortir. Hein. Qu'est-ce que c'est nul comme combat? Ouais. Mais tu... Tu... Attaque! Là je... Ya! Yeah. Mais là je l'ai récupéré déjà? Discrétion. Oui, bon, écoute. C'est bon, là, je l'ai ramassé, le machin, oui. Depuis tout à l'heure, je pouvais juste me barrer. J'aime me battre. Donc là, il faut que j'y retourne en voiture. Pas de problème, il faut pas me le dire deux fois. D'ailleurs, je pense que j'en ai même une garée juste ici. Ah. Est-ce que c'est une voiture, ça? On va dire que oui. Allez. Ya. Yeah. J'ai paniqué, je pensais que le timer c'était juste le temps de rejoindre les fameux quais. J'avais pas capté que c'était vraiment récupérer la fleur y compris, du coup j'y suis allée à la bourre. Hein. Bon, voilà, une technique vieille mais efficace. Ouais. Oh, je casse tout, derrière. À la viking. On tape d'abord, on réfléchit après. Et du coup, t'es en week-end, toi, Pingouin? Qu'est-ce que t'as prévu de faire? Oh, merci infiniment. Quoi? Ah bon. D'accord, donc je suis peut-être pas allée assez loin en voiture. Je suis un peu un caca, peut-être. Genre, il faut que je m'arrête devant lui en voiture? C'est possible, hein? Je suis en week-end tout le temps. Ah! Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais samedi dimanche? Prévu quelque chose de particulier? Mais est-ce qu'il faut que je recommence tout? Elle a rien à faire là. Sale cloporte. Oh, super. Chier. Voilà.
Alors, donc, on va y aller en voiture, en suivant strictement la route. J'occuperai des collectibles après. Je vais jouer, d'accord? Donc, à Assassin's Creed. Tu seras en live. On va faire tout le trajet en voiture cette fois. J'ai eu bon réflexe quand même de reset. Nice. Je sais pas si je serai debout et pas occupé pendant que tu liveras, mais... Ça me ferait plaisir de voir à quoi ça ressemble. De ressentir ce que tu ressens. Alors du coup, je suis la route, hein. Je suis une gentille conductrice. Une gentille livreuse chronopost. Allez! Et le drift? Ouh, petit drift, hein. En même temps, il y avait la place de tourner. C'est vrai que mon chemin n'était pas beaucoup plus rapide. Mais bon, le jeu est satisfait. Le jeu est satisfait, donc je suis satisfaite. Oh, merci infiniment. Tu verras ma modification sur la rediff. Tu streameras l'après-midi, demain après-midi, je suis occupée, et dimanche après-midi, ça dépend quand dans l'après-midi, en gros. Compréhension du monde. Il aurait été dommage de la paix. Je regarderai la VOD. Vraiment dommage. Merci. Je regarderai partout, pas tout, parce que j'aimerais bien le faire quand même dans un temps, enfin quoi que si je vais regarder, parce que le temps que je finis Syndicate et que je me tape les trois derniers. Pff. Demain après, j'ai un meeting musical, on va dire. Demain soir, je stream. J'aimerais bien dormir aussi, parce que je dors très peu en ce moment. Et dimanche à 15h, je fais du GeoGuessr, donc disons que... Ouais, faire un truc, c'est ne pas me mettre en vocal avec les autres et avoir ton stream en fond. Et en fait, c'est en gros, je vais régulièrement sur la chaîne de quelqu'un qui joue beaucoup à GeoGuessr. Et on fait un tournoi tous les dimanches après-midi, donc... Et du coup, je sais pas, si tu streams genre plus vraiment fin d'après-midi, il y a moyen que j'aille voir un coup. Ce serait bien. Ce serait bien que Truo vienne passer faire un coucou, passer une tête, je sais pas s'il est là, mais... Parce que je sais qu'il était à... La dernière fois que je suis allée sur son live, il était à 98,5% de complétion de Brotherhood. Et c'était trop tard pour moi s'il est au Québec. Ouais, Origin, Odyssey, Valhalla. Et en plus, je veux faire les Chronicles aussi. Parce que je suis quelqu'un d'un peu maso. Alors je les ferai pas en 100%, je préviens. Parce que la flemme. Mais ouais. Je vais avoir du boulot sur les 100% des autres, quoi. Donc voilà, on a eu cette mission que j'ai pas compris pourquoi elle était affichée de manière différente par rapport aux autres. Mais c'est good. T'as rien à me donner, toi? D'accord. Chronicles, en vrai, c'est roulé à Swag. Ben, en vrai, je suis d'accord avec toi, mais quand j'ai eu fini China, et ben avoir passé vraiment... Il m'a fallu quoi, un peu moins de 4 heures, je pense, pour finir le jeu. Bah, à la fin, tu t'habitues, tu vois, et je commençais un peu de m'amuser. Mais vraiment, la prise en main du truc, comprendre vraiment toutes les règles du jeu, toutes les subtilités, savoir quand est-ce que les IA pètent un câble ou pas, bah, je trouve que ça... Enfin, j'avais bien besoin de 4 heures, quoi. Et c'est pareil, hein, sur un jeu comme Syndicate, bah, au début, je sais pas lire la carte, je comprends pas les symboles, parce que tous les Assassin's Creed ont leur... Voilà, on leur sémantique à part entière, même les IA, les gardes, ils sont pas tous permissifs de la même manière, enfin... Bref, il te faut un peu de temps pour comprendre le jeu et que ça soit fluide et que tu joues beaucoup au réflexe et qu'ensuite tu laisses ton cerveau, on va dire entre guillemets, juste réfléchir à la stratégie et enfin voilà. Faut que les mécaniques, elles aillent de manière un peu brainless, quoi. L'histoire est sympa, mais le 100% surtout, non, 100% c'est chiant, j'ai pas voulu, parce qu'en gros... 100% ça voulait dire refaire le jeu, quoi. J'avais pas envie, surtout en live, je pourrais le faire en off, peut-être, si j'ai la foi. Le reboot, j'en ai pour une centaine d'heures. Non, mais je me doute. Je me doute. Je suis déjà allée passer voir des lives de gens qui...
Là aussi, il y a une mission comme ça. Darwin et Dickens, notre ami commun. Ok. Est-ce que c'est une sorte de crossover entre les deux missions? C'est peut-être pour ça. Hein. Ok. Bah, allons ici. Voilà. Ouais, donc ouais, je connais 2-3 personnes qui font du 100%, notamment sur les 3 derniers, là. Et ouais, c'est long. Mais ça a l'air bien, donc... J'ai un peu hâte aussi de voir à quoi ça ressemble. Mais je profite aussi beaucoup de Syndicate parce que je sais que c'est le vrai dernier, quoi. Tel qu'on les connaît vraiment. Face aux Templiers. Repère de bande. Origine 106 heures. Odyssey 118, voilà 150, mais pas fini encore. Ah ouais. Et les deux premiers avec les DLC par contre. Ouais, ok. Là j'en suis à combien là? J'en suis à 35 heures de jeu sur Syndicate. Et j'en suis à... 64%. Est-ce que le titre du stream est à jour? Pas du tout, on a déjà pris 3% les enfants. Un petit pourcent en même temps, là on est en train de finir les conquêtes de quartier, donc ouais, je pense que pas mal de choses qui passent à 100%. Ça fait bien augmenter le total. Ah non, par contre, au pic, calme-toi avec les notifications. Mais par exemple, pour Unity, je sais pas exactement combien d'heures j'y ai passé. Parce que j'ai pas tous les jeux sur Steam et du coup je sais pas comment calculer, à part calculer en gros les heures de VOD qui sont sur YouTube. Et même là, Unity, il y avait 2-3 trucs que j'avais fait en off, genre vraiment récolter des coffres. Il y avait un soir où j'avais vraiment envie de jouer au jeu mais que j'avais pas envie de stream. Du coup j'ai juste récolté des coffres. Des coffres qui étaient déjà sur la map, tu sais, genre... Un de très... C'est incroyable, et du coup je pense que ouais, j'ai peut-être 4-5 heures qui sont à ajouter par-ci par-là. Oula, j'ai un problème. Ok, mais j'ai pas de couteau, je suis un caca. Pourquoi vous me dites pas? Ouais, je sais pas pourquoi, mon clavier répondait plus et elle marchait toute seule. Ça a l'air de s'être calmée, c'est peut-être le alt-tab qu'elle a pas aimé. Pardon, j'ai dit Steam, pardon. Steam ne compte pas les heures. Si, Steam compte les heures. Pff. Par contre, j'ai pas tous les jeux sur Steam. Pardon, je suis désolée. Donc si, Steam compte les heures, pas de problème. Genre là, typiquement Syndicate, je l'ai pris sur Steam, parce que c'était le moins cher. Mais les autres, je les ai pas du tout sur Steam. À part peut-être... Ah, attendez... Si, j'en ai d'autres, là. Ah si, Révélation. Révélation 30,5 heures. Mais je l'ai pas fait en 100%, donc ça mériterait peut-être un peu... Il y aura besoin d'un peu plus. Libération, j'ai mis 20 heures. Libération, il était cool, en vrai. Mais je crois que c'est... Ouais, c'est les seuls que j'ai sur Steam. Tout le reste, je l'ai sur... soit sur Uplay directement, soit sur... Epic. Voilà. Sur Uplay, il compte? Ah ouais? Bah j'ai jamais vu où. Du coup ça m'intéressait, tu vois, de savoir. S'il vous faut autre chose, vous savez où. Tac. Ah oui, c'est vrai qu'on a une boîte à musique à aller ramasser là-bas en plus. Les boîtes à musique, je pense que je vais faire un live spécial juste pour ça, parce que bah, on a pu voir que... Bah déjà on tombait dessus un peu par hasard. Ça c'est cool. Mais aussi que, même en cherchant de manière voulue, hein, en se servant des indices, bah même avec les indices, c'est pas forcément évident. Des fois, je trouve. J'ai envie de les tuer. Peut-être pas les vieux, en fait. Les tuer tous. Ah, ok. Tuer la cible depuis une cachette. Ouais, ok. Alors, toi... Toi, tu meurs... Les rats qui infestent nos rues ne méritent que la mort.
et c'est à moi de rendre à cette ville sa pureté. Toi, t'es morte. Toi, t'es mort. Ouais, viens là, merci. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Merde. Mort. Seul l'ordre des Templiers peut redonner à cette ville sa gloire immaculée. Ça ira bien, je pense. Ensuite, on vient faire ça. Et on va attendre un petit peu. Ouais, bah vas-y, compte que depuis Syndicate. Bah rip alors. Ah, j'ai peur que Sif ça... Moi qui vienne voir là-bas aussi. Allez, viens, monsieur. Allez, viens. Ouais, pas mal. Il y a une cachette juste là. Ça aurait peut-être été plus pratique, effectivement. Là, il y a plein de cadavres. Tu vas venir voir quand même, non? Il s'en fout. Là. Mais viens. J'avais pas vu la cachette ici. Oh là là. Allez. Allez, allez. Ouais. Ouais. Allez là. Oh là là. Il fait un pas par un pas. Allez, n'aie pas peur, monsieur. C'est long. Je hais ma vie. Ah ! J'ai envie de les tuer. De les tuer. Cool. Ça va être bon. Les carottes sont cuites. Voilà. Trop facile ce jeu. Easy peasy. On va aller par là. Ça, on reste juste à côté. On loot les trucs. Ah, c'est peut-être lui qui nous... Ah non, il nous donne coucherie d'assassin légendaire, ok. Peut-être que c'est un des trucs de loyauté qui nous donne le plan de fléchette qui nous manque. Et en vrai, ce serait cool. Je pense qu'on le débloque parce que je pense que ça va nous manquer sur 2-3 missions. Et j'espère juste qu'il faut pas passer par la loyauté de Ned, parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on fasse plein de vols, de cargaisons, etc. Bon, il y a pire, hein, mais c'est pas le plus intéressant. Je crois que ça compte pas pour le 100%, en tout cas pas tous. Que je regarde cette information. C'est cool. Cool, cool, cool. Et bah écoute, ouais, merci d'être passé, bonne nuit à toi et à bientôt peut-être si t'es en live. Bref, on se croisera peut-être sur ton live dans le week-end. Puis j'irai voir un coup la VOD. Bonne nuit. J'ai envie d'aller ramasser ce truc-là maintenant. Bonne nuit à toi. Ok. Hop là. Je suis intriguée aussi par ce qu'on va trouver là-bas. J'ai bien envie que ça arrive incessamment sous peu. Il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir avant. Allez, on va aller faire la quête crossover.
Ok. Il faudrait que je fasse le plein aussi. Merde, ça a raté, c'est ça. Putain, je suis vraiment un caca. Hein. Je l'ai juste blessé du coup. Il s'en remettra. Quoi, où ça? Où ça? Où ça? Là. Ya, ya, c'est bon. Je suis un génie. Non. On se retrouve dans un petit bar-restaurant. On va retrouver nos amis. Dickens et Darwin, c'est ça? Je sais plus. C'est ça, hein? Je crois que c'est Dickens et Darwin. Alors. Accueillir un ami de Darwin et Dickens, c'est ça. Ah, mon cher Darwin. Croyez-vous que notre jeune acolyte parviendra à assurer la sécurité de Mr. Hammond? Je ne crois pas avoir eu le plaisir de rencontrer Monsieur Hammond. C'est un vieil ami. Il arrive à Londres aujourd'hui. En provenance d'Afrique du Sud, pas moi. Pretoria. Mr. Hammond possède une fortune conséquente et une innocence sans pareil. Pour les personnes les moins recommandables de notre belle cité. Nous pensons qu'ils méritent mieux que deux vieillards en guise d'escorte. Ouais, je suis d'accord. En ce moment. Oh, nous avons déjà dit que vous seriez là. Super. Son train a dû arriver il y a 10 minutes. Ah oui, donc c'est maintenant en plus. Oh, il y a une madame qui se fait bully. Oula! Ah oui, non mais je sais pas faire ça. Ouais. C'est pas moi, hein, au fait, hein. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une femme décédée. Ouais. Ah si, on peut détourner les pompiers. Venez, on y va en pompier. Comme ça, le mec, ça attirera son attention. Et on se reconnaîtra. Ah mais c'est juste là, en fait. Je casse tout. Ah non, c'est là-haut. Comment on y va? Je comprends pas ces gares. Hein. Je comprends pas comment on sait où est-ce qu'il faut aller. Oh, Psycho, comment on va? Ah, c'est par là. Je le sens, je le sais. Alors, c'est les week-ends, c'est les vacances ou je me rappelle jamais, hein. Ça va, écoute, le donation goal de l'apprentissage des capitales, c'est fait. Voilà, tu as devant toi une personne qui connaît les 196 capitales des pays du monde. Monsieur Hammond, je présume. On peut jouer à GeoGuessr maintenant. Evie Fry, c'est Monsieur Dickens qui m'envoie. Ah, ce bon vieux Dickens, c'est bien urbain de sa part. Je vous suis. Londres, la grisaille ne m'avait pas manqué. Mon père nous a quittés récemment, et je suis venu à Londres régler... C'est bien, il court quand je cours. Je vais bien m'entendre avec ce monsieur. Il va se marier. Il est très pressé de franchir le pas. Je n'ai jamais vu ma future épouse, Bella Wilton. J'aime bien tes frusques. J'aime bien tes frusques. Je vois ce que je vais y faire. Et je vois que ma richesse attire les complices. Ça t'apprendra. Oh, il prend cher en fait. Ah ouais. Cela me donne une idée. Je vais mettre la sincérité de ma promise à l'épreuve. Comment? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu viens, monsieur? Qu'est-ce qu'il fait? Me voici officiellement mort et donc dépourvu de fortune. Je vais aller voir Bella Wilton en anonyme. Nous verrons si elle veut de moi. Venez, il faut faire disparaître mon cadavre. Trouvez-nous une voiture et gagnons le fleuve.
Voilà. Là. Mais qui est-ce que c'est que cette connerie encore hein? C'est le week-end depuis 4 semaines. Oui. Moi, je suis plus là. Je suis paumé. Mais écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que t'as prévu de faire ce week-end? T'as vu, on va bientôt pouvoir ressortir et tout. Ça va être trop cool. Et je... Wouhou! Le petit drift. Allez! Et je... Pardon, excusez-moi. Ah, mais les gens roulent lentement, ça me saoule. C'est pas une zone 30 ici, hein. Très bien, je regarde où je vais quand même. C'est férié demain. Ça, c'est férié demain. Ah, mais du coup, j'aurais pas de viennoiserie à la boulangerie. Regarder les streams et manger. J'ai pas pensé au fait que c'est férié demain. Aïe aïe. Let me go. Lancer. C'est bon? C'est bon. Elle répondait ton nom de Bella. Allons rendre visite à ma fiancée. Je suis impatient de voir sa réaction. Ok. Hey bah allons faire ça là. Il y a juste tes potes qui t'attendent, mais allons faire ça. Si on venait d'ôter un grand poids de mes épaules. Maintenant, pour me rassurer, acceptez-vous de m'emmener chez ma fiancée. Je vais lui annoncer la triste nouvelle. Ne trouvez-vous pas ça un peu risqué? Elle n'a jamais posé les yeux sur moi. Et puis, je dois savoir si cette personne me plaît. Et tu sais où elle habite. Je veux être témoin de sa réaction à l'annonce de ma mort. Très bien. Quel merveilleux plan. Comment commencer une relation basée sur la confiance, en tout cas. Allô? Bonjour Bella. Ah, faut que j'aille faire un truc? Quoi? Comment ça? C'est bugué? J'ai pas compris là. Est-ce que je me suis... Dépêchez-vous, c'est beaucoup trop long. Ouais, je me suis mal... Je suis sûr que vous avez pris le mauvais chemin. Ah oui, donc c'est là en fait, ok. Je suis impatient de rencontrer Miss Wilton. D'accord, donc c'était buggy. Et en plus je me fais engueuler, c'est parfait ça. J'adore. Bonjour. Miss Wilton? Oui. Je m'appelle John Rocksmith. Je crains d'avoir à vous faire part d'une triste nouvelle. Oh? Votre fiancé, John Hammond. Ah, c'est APA déjà encore? Dans la Tamise ce matin. Oh, c'est affreux! Ce pauvre monsieur Hammond. Pardonnez-moi, monsieur. Je ne sais que vous dire. Oula! Délicieuse. Ma foi, je crois que je l'aime. J'espère pour vous qu'elle sera plus curieuse qu'ulcérée. Ouais. Et il se barre en plus, bah super. Oh cette tronche. Elle est en mode genre putain les hommes quoi. Au secours. Au secours. Bah, vraiment des missions passionnantes. Il y en a encore au secours. L'intrigue de Darwin et Dickens. J'ai envie d'y retourner. Je vais y retourner. Ah mon dieu. Ce serait vraiment bien qu'on finisse ce quartier en vrai. Comme ça on aura pris un gros pourcentage. Dans notre tête.
que je fasse le plein. Ça peut avoir grand chose. Bon, si 23 couteaux sur 30, c'est pas mal, mais... C'est mieux d'avoir 30 couteaux quand même. Les criminels. Non mais j'arrive trop tard à chaque fois. Non, c'est bon. Voilà. A plus. A plus. Voilà. Viens ici. Voilà. Et revenez me voir. Cool, cool, cool. Allez, hein. Allez, allez, allez. J'ai de nouveau besoin de votre aide. Je suis surprise. Cupidon et moi-même avons besoin de vous. Comment ? Je suis son guide touristique, en fait. Et son entremetteuse. Et son taxi. Que je devais épouser avant de feindre ma mort afin de découvrir quel genre de femme elle était. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Je suis amoureux d'elle et je veux finalement l'épouser. Tu vas faire celui qui ressuscite ? J'ai échafaudé un plan magistral. Vous allez la surprendre et l'enlever. Puis vous la conduirez à un endroit où je vous attendrai. Bien sûr. Je surgirai d'un coin obscur, je vous battrai comme plâtre, je la sauverai et je gagnerai son cœur. Tu vas battre une femme ? Avez-vous bien réfléchi ? J'ai envie de relancer la mission en tant que Jacob. Maintenant, déposez-moi dans un endroit louche afin que j'y prépare mon embuscade. N'importe où à l'ambesse. J'essaye d'éviter les piétons, c'est pas facile, d'accord ? Doucement, ma jolie. C'est parti ? Ah non, il faut l'atteindre avec le... Ok. D'accord. Littéralement avec le chariot, quoi. Ralenti. Très bien, l'endroit me semble approprié. Maintenant, allez l'enlever. Elle est à Waterloo Station. Non ? Et tâchez de vous appliquer. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment ça, le cadet de mes soucis, quoi. M'appliquer à bien enlever ta fiancée. Pour que tu passes pas pour un abruti. J'ai vraiment que ça à faire, hein. C'est vrai, hein, après tout. Ah, ces hommes. Le drift. Pardon. Ouais, j'avais pas remarqué que c'était déjà 23h. Surtout parce que tu avais les yeux fermés peut-être pendant cette période de temps. Me trompe-je ? Ah, tu t'es fait à manger, ok. Alors, les enfants, comment on va faire ça? Ok. J'arrive pas à rentrer dans les gares à chaque fois, je me paume. On va passer par là. Non, je veux passer par le toit. Là! Vu. Restez à proximité de la cible vivante. Ah. D'accord. Ça, c'est important de préciser vivante. J'étais pas au courant qu'elle était vivante. Oh, elle va falloir l'enlever, mais quel enfer. Hein. Je sens que je vais pas réussir du premier coup. Hein. Je sais pas pourquoi. Il y a des flics partout, je suppose. J'ai une idée. Non, tu veux pas aller te taper avec... Ok, si tu veux. C'est pas vraiment à ça que je pensais, mais... Il la suit ou... Comment ça se passe ?
Normalement, il devrait être trigger par ce qui se passe. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais il la suit vraiment de méga près. Elle court. Elle court. La bichetoune. Je peux pas l'enlever parce qu'elle court. Elle me fuit. Ça casse ses couilles par contre. Mais elle va courir ad vitam aeternam ou pas là parce que... Chiant en fait. Ah c'est top, un bon petit sprint hein. Ouais. Au secours, j'en ai marre. Arrête. Allez là. Arrête-toi madame. Chez moi. C'est ça, elle se raccroche à la vie. Elle se saoule avec le bruit des mots qui l'entourent. Oh, mais au secours. Mais comment je fais? Comment je fais en vrai? Tu peux arrêter? You get all sorts these days. She's an interesting one. C'est pas mal en vrai, mais il y a des flics là. Ah, tu veux pas aller un poil plus loin? Arrêtez de courir. Mais elle s'est arrêtée de courir là où il y a des flics par millions. Faire. Mais regardez, ils sont tous buggés. Je suis triste. Vraiment triste de ce qui se passe. Mais elle se re... Elle est repartie. Ok, ça se passe pas du tout comme je veux. Putain, wesh, pourquoi je suis si nulle aujourd'hui? Elle est repartie au bout du monde, quoi. J'ai envie de redémarrer le checkpoint tellement ça me fait chier. Je vais redémarrer au checkpoint parce que... C'est bon, quoi. Si j'avais envie d'attraper un truc qui court vite, j'irais dans une ferme et j'irais choper une poule, quoi. Allez, same player, try again. C'est y part. Hein. Et d'ailleurs, ce serait bien que je prenne ce coffre, parce que ça fait genre un milliard d'années que je dis que je veux le prendre. Et il est là-haut, c'est ça? Bon, j'annule. Ah. J'annule. Il faut absolument ne pas lui faire peur, mais il faut quand même réussir à buter les flics qui est à côté, parce que sinon, bah, elle va courir en fait. Enfin, elle va... Enfin, les flics vont me repérer. Et elle va se mettre à courir. Et où déjà l'entrée là? Par là je crois. On avait dit par là. Là. Allez. On réessaye. Ouais. Si je les assomme, elle aura peut-être moins peur. Oh.
Pas mal ça. Venez avec moi. À moi. À l'aide. Oh, par le ciel. What is going on? Si je l'assommais, ce serait pas très friendly. On doit avoir l'air d'une méchante. Ah oui, il faut passer déjà. Là. Ah mais il y a des flics de mort. À quoi rime tout ceci ? On y va. Mais là c'est un quai, je m'en fous, non ? Là aussi c'est un quai. C'est tout à fait déplacé. Comment on y va ? Par là, je crois. Ah, là-bas ? Non, attendez. Nous n'avons rien à faire ensemble. Les gens vont le remarquer. Mais non, les gens s'en foutent. Par contre, comment on... je me perds dans ces gardes-morts, ça me saoule. Alors lui, il va pas faire un demi-tour. En soum-soum. Est-ce que ça marche de passer par là-bas ? Je sais plus par où je suis passé tout à l'heure. Là, on avance un petit peu. Au secours. Mais vraiment ? Est-ce que ma vie peut être plus nulle que ça ? Comme le facteur, je suis pas passée. Hein ? Alors lui ça va être relou. Il y a debout sur les rails. Je l'avais pas vu. T'inquiète, c'est safe. C'est quoi la fin de son pattern à lui? Oh putain. On va attendre un petit peu, hein. On va attendre dans le coin, là. Ah, non, c'est bon. Avançons. Non. C'est dangereux. C'est dangereux. J'annule. Je reprends. J'annule. Merci les PNJ de Bodyblock le flic. Me dis pas qu'il va dans le coin, me dis pas qu'il va dans le coin, non c'est bon. Ok, c'est bon. We did it. Et c'était pas là, c'est ça. Je sais pas où je vais. Mais ça va être ultra relou ça. Il faut descendre. Le PNJ buggy. Skur. Au secours. On fait ça pour une bonne raison. Enfin, j'espère. Oh, Nick. Je l'avais pas vu. Bon bah tant pis, au moins je les tue tous déjà. Au secours, il y a moyen de... Bon, madame. À moi, à l'aide. Mais ta gueule, allez, on y va. Ça me saoule. On peut pas courir dans les escaliers par contre. C'est interdit par la Convention de Genève.
Yeah. Tout de suite. Alors, encore une fois, ce sera assez rigolo parce que là, il va y avoir un monsieur Bobby qui va tourner maintenant. À quoi rime tout ceci ? Mais je suis pas du tout du bon côté, putain, mais vous me dites rien. Si, c'est pas mal en vrai. Non, si, c'est bon. Shake it up. Et maintenant, on va finir à pied. C'est tout à fait déplacé. Oui. Ah non, mais c'est là où on la livre, donc attends, parce que peut-être qu'il y a une voiture qui va bien. Bugger. Nous n'avons rien ensemble. Les gens vont le remarquer. Oui, oui. Voilà. Allez, s'il vous plaît, madame. Entrez sans faire d'histoire. Que puis-je dire pour vous inciter à me relâcher ? Bichetoun, vas-y, laisse-toi faire. Demi-tour. Demi-tour, esquive de piéton, accélération. Si vous pensez voilà. Tirer profit de ceci, vous courez à votre perte. Pourquoi faites-vous cela ? Je vous ordonne de me répondre. Pour, on va lui livrer une future femme traumatisée. C'est parfait. Et hop. Doudou, allez. Allez, madame. Ça va bien se passer, tu vas voir. Alors, comment on y va par là ? On va t'emmener dans une petite ruelle sombre. On peut passer par là ou pas ? Oui. Au secours ! Cette sauvage m'a enlevé ! Cette sauvage. Lâchez-la, scélérat ! Je vais vous sauver, madame. Car wow. Je suis John Hammond, votre fiancé. Comment... Waouh ! Nanny ? Voilà ton châtiment. Qui est comme ça en fait. Je te domine sans peine. Prends ça, gratuit. Reste trop sûr de comprendre. Je te domine sans peine. Et tu moi ? Voilà ton châtiment. Je te domine sans peine. Elle s'en fout, hein, la madame. Hein. Elle regarde complètement pas du bon côté. Waouh. Coïncidence que vous ayez été là pour m'aider. Je ne vous le fais pas dire. Si vous le permettez, ma chère Bella, à compter de ce jour, je suis. Non, mais genre, mais really, nigger. Tu crois que je vais. Venez, ma chère, éloignons-nous de cet endroit sordide. Je vais. Tout vous explique. Elle est en mode genre, non, c'est bon, c'est du bullshit. Non. Je suis sûre que Dickens et Darwin seront ravis que leur ami ait trouvé son bonheur. Et là, c'est une templière. Tant, tant, tant. Ok, tout va bien. J'avais un peu la tête dans le cul, mais c'est bon. Ok. Bah, c'était... Hein ? Ah, il fallait quelque part. Attention. Damn, c'est aussi simple que ça de trouver une femme. Sois pas deg. On n'a pas tous les mêmes relations. Ne reproduisez pas ça chez vous, hein. Évidemment. Ceci a été exécuté par des professionnels. Par des gens cons, surtout. Là, regardez les petites pubs, là. C'est loin comment ? Là, y a pas une voiture ? La flemme. On va y aller à pied. En ce moment, je me tape des crises de maux de cou et de maux de tête, pardon. C'est insupportable. Je passe mon temps à avoir mal à la tête, c'est ultra chiant. Là, ça allait un peu mieux, mais là, je commence à être fatiguée. Bien qui finit bien.
Nos deux tourtereaux sont enfin réunis et vont bientôt convoler. Moi aussi, je rêve de rencontrer un homme qui se fera passer pour mort avant de me faire enlever pour savoir si je suis digne de lui. Et à vous voir, tout cela tient du coup de foudre. Je dois dire que c'est assez amusant. J'adore ce genre de récit. Tout cela me paraît étrangement familier. Je me demande pourquoi. Buvons à John Hammond et à son approche si peu conventionnelle de la séduction. Bien dit. À John Hammond, notre ami commun. Ouais. C'est... ouais. On a quand même été obligé d'enlever, de faire un kidnapping sur une meuf, hein. Everything's fine. Quelle angoisse. Ouais. Allez, bah on y retourne. Hein. Retournons-y. Ça m'arrive pas mal aussi en ce moment. Beaucoup. Boire beaucoup d'eau me soulage. Moi non. C'est même pire en fait parce que j'ai vraiment l'impression que le fait de parler et le fait de boire. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression. Enfin, ça fait pas spécialement du bien. John Hammond, tu vas l'emmener de créer un parc à dinosaures? C'est comme ça qu'il s'appelle le perso? J'ai jamais regardé Jurassic Park. Désolé. Moi, Hammond, ça fait penser au général Hammond dans Stargate SG1. Et je suis pas sûre que son prénom c'était John. Hein. Stargate SG1, quelle bête de série en vrai. Si vous connaissez pas. Je vous conseille. Ok, bah c'est cool. J'avais pas le référence. Oh, moi pour faire passer les mots de tête, en fait, je fais pas passer mes mots de tête. Je préviens mes mots de tête. Enfin. Dire. Je fais en sorte que ça n'arrive pas. C'est surtout ça qui marche. Sauf que des fois, bah, j'ai des maux de tête quand je dors pas assez. J'ai des maux de tête quand je mange pas assez. Et ouais. Le truc, c'est que des fois, je ressens pas la faim. C'est un peu bizarre. Et du coup, je me rends pas compte que j'ai pas assez mangé. Et du coup, j'ai mal à la tête. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre, mais en fonction de la raison de pourquoi. De qu'est-ce que j'ai pu faire. Enfin. Ok. En fonction du type de douleur, du mal de tête, je sais pourquoi je l'ai. Mais bon. Ça résout rarement le problème. Je veux pas aller récupérer le coffre jaune. Hein. Quelqu'un de quand même assez intelligent. Allez, on y est presque. Allez. Merde, il y a encore une... Là, voilà. Personne mérite d'être plus riche que moi. Il est bourré. Qu'est-ce que tu devrais faire ce soir? Voler une banque. Ouais, ah, ce serait l'idéal. En fait, c'est plutôt la soirée idéale pour voler une maison. Ouais, c'est ça. Bon Dieu. Il est bourré. Et tout ira bien. T'es un flicard, toi. De quoi? Silence, monsieur Linton. Regarde, j'ai les DVD de la saison 1, mais jamais penché dessus encore. Ok. Mais en vrai, go chercher en streaming. Je suis là pour te conduire à la police. Relâche-moi et battons-nous. C'est une bonne série. Allez, montre-moi tes petits points. Allez. Tu les verras, mais d'abord tu m'accompagnes. Ah, il y avait un monsieur qui faisait du moonwalk, c'est possible. Hein. Bug, Buggy Soft. Hein.
Logique des PNJ. Tiens, tout le monde meurt là-bas. Si j'y allais, c'est exactement ça. Après, il faut bien enquêter, tu vois. Mais c'est vrai qu'au bout du troisième cadavre qui tombe, effectivement, peut-être que ça pourrait être une bonne idée de regarder en l'air, tu vois. Ce serait un jeu tellement dur, je trouve, si les méchants avaient une meilleure IA, je pense. Voilà. On va laisser peser. Le mec est rebou. Nice. Ok. Là, il y a juste... voilà, il y a juste le palais de Buckingham. Non, c'est pas Buckingham, faut dire, c'est Buckingham. Buckingham. Il prononce pas le G. Ouais, mais si on se TP là-bas, on sera dans les grilles. Oh. Et en plus de ça, j'ai des problèmes de dos qui font que j'ai des problèmes de cou. Et que quand je commence à avoir mal à la tête, ça me... J'ai pas que mal à la tête, du coup, j'ai aussi mal au cou. Ah. J'ai vraiment une bête de vie. Mais ça fait ça que par période, c'est ça qui est étrange. C'est que vraiment, je vais avoir des périodes où je vais avoir mal tous les jours. Et ensuite, ça va aller mieux. Et le pire, c'est qu'il va y avoir un moment où je vais faire « Tiens, ça va bien en ce moment. » Et c'est à partir de là où ça commence de partir en couille. Quand je commence à réaliser que « Ah, mais ça va en ce moment. » Bah, c'est le moment où ça va commencer à plus aller. C'est... Ouais, c'est étrange. J'ai des problèmes. Ah. 19 couteaux, mais bon, ça devrait aller, je pense. Il y a un petit chat. Il boit un coup avec ses maîtres. Tous ceux qui poseront des questions ou essaieront de vous chasser. S'il vous faut de l'aide, appelez-moi. C'est à nous de nous installer à Green Park. Avec un repère aussi près de Buckingham Palace, personne ne peut m'arrêter. Merde. Lighters, montrons-lui ce que... Il parle forcément... Il parle du côté qui m'intéresse pas. C'est faisable. Ah, trouver une boîte à musique. Quoi ? Fiche-toi quand ? Ça s'est bien passé ? Personne s'en prend à moi. Rattrapage en urgence. J'ai dit silence, monsieur Bunbury. Si c'est bien ton nom. Bunbury ? Tu ne m'arrêteras pas. Personne ne m'arrête. Je suis venu pour installer un repère des Blighters sur ordre de la cassette elle-même. Et je finis toujours ce que j'ai commencé. Sortez-moi de là ! À moi ! On m'enlève ! À moi ! Petit drift. Petit dérapage contrôlé. Doudou. Oula ! Oula, tout va bien. J'aimerais reprendre le contrôle de mon véhicule. Oh le bordel. Voilà. Dans une zone instable, bah arrêtez de mettre des ennemis. Allô ? Ok, c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe exactement. Putain mais wesh. Merde.
Ils ont repris le chariot, ils se sont enfuis. Allez, U. Tout ce bordel. Un compte mort, 18 blessés. Ah, oh, con de merde. Ah, bon Dieu, je t'avais dit de rester près de moi. Mais... qui a vu ce qui s'est passé, hein? Oh non, mais je savais pas que c'était possible ça. Oh non, je suis deg. La vie est d'une nullité. Au secours, quoi. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le réabonnement. Fred. Vraiment, c'est-à-dire. Très bien. Oh, mais il y a des flics. Il faut trouver l'endroit. La vie est nulle. Faites peur à tous ceux qui poseront des questions ou essaieront de vous chasser. Bonjour monsieur le flic, il y a des méchants là-bas. Appelez-moi. C'est à nous de nous installer à Green Park. Avec un repère aussi près de Buckingham Palace, alors, on n'aura plus jamais de soucis d'argent. Très bien, dispersez-vous. Dispersez-vous. Trouvez l'endroit où établir notre repère. Faites peur à tous ceux qui poseront des questions ou essaieront de vous chasser. S'il vous faut de l'aide, appelez-moi. Hey, c'est à nous de nous installer à Green Park. Là. Tcha 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 tcha. Je suis pas là. Merde. Mais c'est pas grave, on a bien vu que ça s'était bien passé, c'est juste la fin, et il faut pas oublier qu'il peut, du coup, se faire... Allô ? Personne ne peut m'arrêter. Blighters, montrons-lui ce que nous valons. Hi ! Blight ! Ok. Quoi ? Fiche ton camp ! Fiche ton camp. Je suis tué, moi. Personne s'en prend à moi. Ah oui. Calme. Donc ça, on avait déjà réussi tout à l'heure. Et c'est bien ton nom. C'était pas vraiment ça le problème, c'était plus la réception. Installer un repère des Blighters sur ordre de la cassette elle-même. Et je finis tout. Mais c'est toujours autant de bordel ici, c'est bien. Quel est le but de cette installation? Ça ne te regarde pas. Aïe aïe. Et comment va sinon? Et merci pour le réabonnement, hein, encore une fois. Quoi? Sortez-moi de là. Oh, mais ils arrêtent pas de se plaindre. Il est vraiment pas grave. Le petit pour aucune raison. Et je regarde pas du tout où je vais, moi. J'assure, Evie, elle est sous les gens. Ah! Oh là, le bordel. Excusez-moi, hein. Moi je veux juste faire mon boulot. Laisser la police faire son travail. Et où est-ce que je vais, là? Mais attendez, excusez-moi, je... Voilà. Désolé, hein, le plus efficace, c'est de tuer les chevaux. Ouh là là. Écrate ton char, il manque des petits bouts de bois, en fait. Qui témoignent de à quel point je sais pas conduire et que j'ai pris des dégâts. C'est bon, je pense que je les ai semés. Gauche, droite, gauche, gauche. Voilà. Ah, voilà. Aïe, aïe, aïe. Je crois que mes roues, elles sont plus... elles sont sur le point de quitter les cieux. Voilà, parfait. Pouf, je vous laisse le char ici. Hein. Il s'en est fallu de peu. Bien joué. Ouais, on a failli pas réussir. Pistolet semi-automatique model.
Charène furieuse, nice. Pas mal. Ouais, pas mal. Alors, Buckingham. Hein, évidemment, Buckingham. Juste ici, journal de progression. Suite de progression. Voilà, donc non, je pensais qu'on avait terminé un truc. Si, ça, on a fini ça. Et on l'a pas fait à 100% ici. Ah là là, quelle erreur. On a gagné des nouvelles choses de type arme à feu. Je prends. C'est gratuit si on paye en plus. Donner aussi à lui, tant qu'à faire et que j'y pense. Bon, hop, hop, voilà. Evie Forever, évidemment. Oh, tous ces trucs à ramasser là, didiou. Et on fera ça en fin de stream, hein. C'est mon tour. On va aller continuer de taper du Blighters. J'ai pas regardé à combien de pourcentage on en était du coup. On a combien du coup? C'était là. C'était 65%. Ok. Plouf. Oui. Et forcément. Ah, ça c'est chiant. À chaque fois je mets un marqueur et parce que je prends un TP, il m'enlève le marqueur. Je trouve ça extrêmement pénible. Allez! Ils ont vraiment réussi à faire en sorte que le gars s'enfuit vraiment au dernier moment, quoi. JPP. JPP. Hop, voilà, et regardez, ce char est magnifique. Il a pris absolument aucun dégât. Allez. Allez. Mais j'ai pas de couteau. Oui monsieur, je suis mal garé. Je conçois. Ah. Ouais, tellement de trucs à ramasser. Je suis jamais vraiment venu ici en fait. En même temps, j'avais pas grand chose à y faire. Hop, très bien. Eh bien, bonne journée. On a 30 couteaux, c'est bon. On a gagné le jeu. On y va bien sûr en voiture car nous avons la flemme. Doucement, wow. Vous vous souvenez de la petite qui est morte de paresse? Morte de paresse. C'est pas exactement ce qui s'est passé, je pense. On a des enfants en bas. Dans la lingerie. On l'a retrouvée que le lendemain. Elle s'était enfermée dans la lingerie. On l'a retrouvée que le lendemain. Le lendemain? Aria. Mais elle s'était fait attraper. Zergout. Et elle est ressortie de l'autre côté, plate comme une crêpe. Charmant. Mais elle s'était fait attraper par l'essoreuse à rouleau. Et elle est ressortie de l'autre côté. Merci beaucoup, madame. C'est très important de répéter les phrases deux fois, surtout les phrases de menace. J'ai vraiment gagné une crédibilité incroyable. En plus, ses enfants, c'est con, ça comprend pas, donc faut vraiment réexpliquer. Je suis caché. Une connasse. Voilà. Ah, d'accord, le monsieur qui m'intéresse est ici en fait, d'accord. Alors, on va repasser plus tard. Mais il y en a dans d'autres bâtiments. Lui, il faut que je le tue en dernier en fait. On va là-haut.
Là, en fait, je suis extrêmement teubée. Ah, mais il faut passer devant le monsieur, j'ai pas envie. On va faire autrement. On va passer par l'extérieur, si c'est possible. Ça doit être possible de passer par l'extérieur, non ? Peut-être pas, en fait. Vous avez envie que ça vous arrive ? Si tu crois me faire peur à te cacher dans l'ombre... Ça m'arrange pas, en fait. Vous vous souvenez de la petite qui est morte de paresse ? Elle s'était enfermée dans la lingerie. On ne l'a retrouvée que le lendemain. Tout va bien se passer. Vous les avez, madame ? Mais elle s'était fait attraper par les sauces à rouleau. Et elle est ressortie de l'autre côté, plate comme une crête. Pas l'inquiétude des enfants. Vous êtes bien pour une adulte, vous savez. Ok. Ils sont où les autres ? Dans le bâtiment. Ok. Cool, du coup on peut repasser par là-haut. Ouais. Ange de disque, monsieur. Ok. Un corbac. Pas compte, il est où ? Il est pas à mon étage ? Non. Quelqu'un à mon étage ? Oui. Nice. Est-ce que c'est risqué ? Oui. Ça s'est bien passé. Je reviens tout de suite. Les rooks sont les meilleurs. Bien, maintenant que ça s'est fait... Où j'étais passée ? Là. C'est possible d'y retourner ou pas ? Oui. I am a genius. En toute modestie, bien sûr. Voilà. Il ne reste plus qu'à tuer monsieur. Il m'a vu arriver. C'est parfait. Plan de gantelet d'assassin légendaire. Mais moi, je veux mon plan de fléchette hallucinogène, moi. Please. Ils sont vaccinés contre, là, les Blighters niveau 9 et 10. Ok, on va faire un petit peu le tour de ce qu'il y a à ramasser. Ih. Roulade. Rémoulade. Ça va pas mieux. Ça va pas mieux. C'est où les trucs dehors ? Alors ? C'est où ? Ah, là en fait. Parfait. Sauf que j'en ai pas fini. Donc, non ! Je rigolais !
J'aimerais juste... En haut ou en bas? En haut. Je suis déjà passée par là, non. Oui. Je t'avoue que... En gros, le truc, c'est qu'il fallait que je tue le monsieur en dernier. Je suis aveugle? Non, c'est encore en haut, putain. En gros, il fallait que je tue le monsieur en dernier lieu. Donc oui, en fait, je suis repassée au même endroit à la fin parce que j'ai pas forcément bien optimisé mon trajet, quoi, mais rien de grave. Je sais pas si c'est de ça que tu parlais. D'ailleurs, regarde, pouf, je repasse par là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, pour récupérer des plans? Je sais pas. C'est juste que tout à l'heure, j'étais censé en choper un à la gare, là, où on a enlevé la meuf et que je l'ai bien pas fait. Et peut-être que c'est ce plan-là qu'il me faut. Voilà. Yes, j'ai compris. Là, excusez-moi. Vous ne m'impressionnez pas. Ah, des singes habillés. J'ai une idée pareille. S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît. Évoluer dans l'apaisement. Et wesh! Ça va, oui? Au secours. Ah, je suis bien obligée d'intervenir là quand même. Et à faute, monsieur l'arbitre. J'ai pas mis mon marqueur et du coup je vais pas du bon côté. Aïe aïe aïe. On va les picoler. Et donc du coup là les items qu'on ramasse là, les bouteilles de vin là. En fait on ramasse des bières. Et dans le lore, si on regarde en base de données, en gros ça va nous donner une description en mode œnologie de la bière avec des infos, genre son nom. Sa date, enfin bref, quand est-ce que ça a été créé, je suppose. Donc ils sont partis un peu loin dans le délire, quoi. Je sais pas s'il y aura la Guinness d'ailleurs dans la liste, parce que pour moi c'est plus irlandais qu'autre chose. Ouais, pas de soucis. À plus tard. Et sinon, bonne nuit à toi. Tac, tac, tac. Et je... Voilà. C'est bon. Mais c'est surtout là-bas en fait. Ouh là-bas, il y a tellement de trucs à ramasser, au secours. Je pense qu'on gagne 1% juste en allant là-bas en vrai. En vrai, j'ai envie d'y aller. Venez, on y va en bagnole. J'aime pas trop l'idée de filouter les gardes de Buckingham. J'ai rien contre la royauté. Et d'ailleurs, en plus comme ça, je passe devant ce marchand. Tout ceci est quand même bien pensé, n'est-ce pas? Merci d'avoir acheté chez moi. À bientôt. De rien. J'emprunte ceci. J'épouse le perroquet, je deviens reine. Bon allez les gars là. Voilà. Ya. Ça passe. Ça passe. Oui, on va ralentir. T'inquiète monsieur. Guinness égale capitale de la République d'Irlande. En plus, il y a un peu des problèmes à la frontière là entre l'Irlande et l'Irlande du Nord en ce moment. Donc qui sait, peut-être que dans quelques années, on aura une Irlande réunifiée indépendante qui aura pour capitale Guinness, hein, on sait pas. Hein. On sait pas.
Allons-y. Allons-y, ok. Oh bah oh, super. Oh, l'inertie du machin, quoi. Mais ça peut être caché dans... Ah oui, non, ok. Ok, je pensais que c'était dans les plantes. Ça me surprend pas, le Brexit a dû raviver des tensions de l'ancienne guerre civile. Ouais, c'est plus ou moins ça le problème. Et puis globalement, sans le Brexit, t'as aussi des gens qui habitent en Irlande qui sont... Enfin, qui aimeraient bien que l'Irlande soit réunifiée ou tout simplement qu'il n'y ait pas... Et même le contraire, t'as des gens qui sont en mode genre bah je m'en fous et puis inversement quoi. Du coup, effectivement, ça fait des tensions. Je crois que c'est le... L'oncle du prince Philippe. Si je dis pas de bêtises, il a même été victime d'un attentat, justement. Là-bas. En Irlande ou en Irlande du Nord? Au Pays de Galles, je sais plus. Enfin bref, c'était des gens... En mode, non, la royauté, ça pue, blablabla, on veut notre indépendance, etc. Je crois que c'était un truc comme ça. Et ça y est, maintenant, on va voir que je me remate The Crown. Donc j'en parle. Tac tac. Ouais, je vous préviens, on va faire tout ce petit quartier là. Voilà, ça y est, j'ai décidé. De toute façon, il est quoi, il est minuit 20, je vais pas trop tarder. En fait, je voulais faire une grosse session parce que j'étais trop contente de jouer au jeu. Là, ce soir. Mais je pense surtout que je vais... durer 1000 ans. J'aimerais bien aller me coucher. Ah, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, quand je commence à avoir un petit mal de tête, même les choses qui sont ultra plaisantes, elles ont un petit arrière-goût de... Ah, voilà. Je vais pas vous mentir. Et en ce moment, en plus, je joue pas mal à The Binding of Isaac. Je sais pas encore si ça vaut vraiment le coup de le streamer sur Twitch. J'ai clairement pas un niveau de ouf. Je pense que c'est le genre de jeu... soit un minimum intéressant à regarder, que la personne sache jouer au jeu. Merde, je vais mourir. Non, ça va. Donc ça va, j'ai des bases du jeu, mais clairement j'ai pas forcément tous les bons réflexes d'un pro player. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il faudrait que je re-regarde le passage de Spidon, où ils ont fait des runs de Isaac, parce que maintenant que je comprends ce que c'est le jeu et comment ça se joue, peut-être que je vais trouver ça plus captivant. C'est vrai que j'avais beaucoup regardé, surtout en... J'avais mis en fond sonore, hein, à l'époque. Speedon, l'événement de speedrun. Hein. Il a eu lieu il y a quelques mois. Je regarderai avec attention Isaac. D'ailleurs, j'ai loot la Bible sur Mum, j'ai bien aimé le troll. J'avoue. Il faut que je tue discrètement. C'est mort déjà. Ils m'ont vu. Ok. Oh, il y a de la musique. C'est trop cool, ça. Oula. J'essaie de faire un zoom. Alors, le mec, il se fait un solo de flûte traversière. Spoiler alerte. Je crois qu'il n'y a pas de flûte traversière. Ah! C'est un hautbois ou une clarinette derrière? Bon, pour moi, là, le monsieur de devant, en vrai, ça devrait être un violon. C'est pas grave. Ils nous ont déjà donné une chorale devant l'abbaye de Westminster, on est content. La chorale, c'est sous-représenté. Go les chorales, en vrai. C'est trop bien, les chorales. Je vous montre 2-3 vidéos de chorales. Des vidéos qui feront changer d'avis les gens avec des a priori sur les chorales. Est-ce que je suis un génie? Bah non.
Bien sûr que non. D'accord. Je voulais pas forcément que ça se passe comme ça. Non. Lâche. Merci. Peut-être aussi pour ça que j'étais pas forcément ultra pressée de commencer à ramasser des collectibles, parce que quand on voit là les points Ilix, c'est des points Ilix ? Je sais même pas comment ça s'appelle. Ces trucs là. Merde. Ben bon, on rappelle, ça nous rappelle bien que la maniabilité du personnage est inexistante, quoi. Yeah! Ok, nice. Nice, nice, nice. Le manicois? Je sais plus ce que je dis. Et vous savez, je commence vraiment d'être fatiguée. J'ai des phrases qui font aucun sens. Et quand j'ai mal à la tête, c'est encore pire, quoi. J'ai dit quoi? Ah oui, la maniabilité, ça y est, je me rappelle. C'était pas très Covid ce que j'ai fait. Mais j'ai eu la flemme de faire en sorte que mon personnage s'arrête. Donc voilà, pour une fois, je n'ai pas éternué dans mon coude. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ceci a été fait par une professionnelle. Aïe, aïe, aïe. Tout mon travail d'influenceuse qui part à l'eau. C'est faux. Je suis fatiguée, je raconte n'importe quoi. Il n'est pas sûr que je suis en train de tomber un peu malade aussi, je me dis. Je sens que j'ai des sinus, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça va aller. La maladie n'a aucun impact sur moi. Ça va juste beaucoup me faire dormir. C'est trop bien en vrai. Dormir, c'est la vie. Good day, bro. C'est là-haut, très bien. Ah oui, là, il y a beaucoup de trucs à ramasser parce que c'était visiblement un ancien repère qu'on a libéré. Et en général, il y a beaucoup de loot. Oui, hop là. Donc ouais, la maniabilité inexistante du personnage. Disons qu'il faut beaucoup de patience. D'organisation et de doigté. Pour en faire une expérience pas trop désagréable. Et hop! Je vous préviens, on va tout ramasser. Hein. De toute façon, on va tout ramasser. Hein. Il y aura bien un moment où il faudra le faire, donc... Je choisis mes moments, voilà tout. On découvre des coins tout à fait charmants, dites-moi. On a découvert la couleur noire. Yes. J'adore les petites maisons en briques, là, comme ça. Petite allée avec des arbres et tout, je trouve ça trop beau. Ah non, c'est là-dedans. Hop. Yes, bonne nuit, PA. À bientôt. Merci d'être passé. Où sont les trucs? Ici. Nice. Ensuite, là-bas. Oh, ces petites fontaines, là.
Non, mais c'est bien de faire ça une fois de temps en temps, comme ça on se balade. Et en se baladant, on découvre encore d'autres trucs à ramasser. Ça, c'est cool. Vu la range de détection des items, de toute façon, franchement, c'est pas anodin. Oh, il y a une soliste. Mais wesh, vraiment, mais putain, mais... Il y avait une madame qui chantait. Mais qu'est-ce que... Est-ce que c'est mes rooks qui sont en train de carry une escorte de cargaison tout seul, là? Bon bah, d'accord, allez-y. Allez, je donne un coup de main, allez. Possible. Allez-y, hein. Go les mecs, hein. Go les mecs. Bon, mais mes rooks, c'est un peu des chips, hein. Faudrait peut-être que je pense à les augmenter, quand même. Et je ne parle pas de salaire, hein. Bon, d'accord. Ensuite, par là... God save the queen. Oh yes. Attendez, on va aller écouter. Ils sont là aussi. Bref, je trouve très sympathique cette chanson. Bon, on a fait un bon petit nettoyage. Ouais. Oh, on a une nouvelle. Non. Est-ce que c'est parce qu'on a fini d'être 100% loyal à lui? Oh, ça m'intéresse. Ça attise ma curiosité. Ça m'intéresse. Je me demande, est-ce qu'il va y avoir genre une sorte de quête finale? Ou est-ce qu'il va juste me dire GG et me donner des sous? Est-ce qu'il va se passer un truc? Je suis... Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ou peut-être qu'ils vont me faire faire une mission et que ça va me donner un fat truc? Je sais pas. On va voir. Est-ce qu'on va encore le retrouver en vieille dame? Il y a moyen.
Putain, mais il faut être tellement proche pour voir les objets, c'est un scandale, quoi. Oula. Petit bug. Attendez, parce que pendant qu'on est là... Hop. Ah non, il n'est pas en vieille dame, je suis la tristesse. Ah, Freddy, dans cette tenue, j'ai failli ne pas te reconnaître. Je trouve que ça vous va très bien. Je vous remercie de m'avoir aidé à collecter ces primes. J'ai été très impressionné par vos résultats et je vous souhaite bonne chance à l'avenir. Et quoi, c'est tout? Vraiment? Oh, je suis ultra déçu. Vraiment, c'est tout? Le seum. Ok. Ok, ok. Il reste pas grand chose pour terminer de libérer Westminster. On y va ou pas? Allez, on finit de libérer le quartier, d'accord, et ensuite on va se coucher. On va d'abord commencer par ça, du coup. Non, je pensais qu'il avait l'air triste et pas bien, le gars. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc. Mais non, juste merci, bonne journée. Ok. J'arrête de marquer mon truc à chaque fois alors que je sais très bien que il va se faire supprimer. Nico Presto. Il faudra aller là-bas. Oui, c'est la glisse. La glisse. Non. Je peux avoir un grappin ou pas? Non, je peux pas. Putain, mais vas-y. Aïe. Ah bah voilà. Ah bah celle-là, je m'attendais pas. Elle a glissé. Allez. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Ça va très bien se passer. C'est parfait, c'est justement là que je voulais aller, je crois. Que des marchands ! Vous partez sans acheter. Dommage. Voilà. Hop. Venez, venez regarder ce que j'ai à vendre aujourd'hui. Regardez là-haut. Hop. C'est trop bien, il y a des musiciens dans les kiosques. Oh, c'est trop bien. Vive la musique, sérieux. Libérer les rooks. Ah. C'est vraiment genre l'objectif optionnel le plus random pour moi. C'est, j'arrive pas à comprendre comment je libère des rooks, mais je les libère quand même, vous voyez. C'est loin. Je suis loin de tout. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils sont libérés? Je comprends pas.
Non, ok. Ah oui, bah oui, du coup je peux le recruter, donc oui, il a été libéré. Oh non, merde, je suis repéré, pardon. Après, dans l'absolu, je peux aller le tuer. Merde! C'est pas ça que je voulais faire. Hein. Oh non! Ils sont en train de tuer tous les roux, c'est ça? J'ai raté l'objectif optionnel ou pas là? Je me rends pas compte. Oh, fais chier. J'arrive pas à me rendre compte s'ils sont morts ou pas. J'arrive pas à savoir si j'ai raté. Oh, STP, dis-moi que c'est le truc que je cherche. Allez. Ceinture de maître assassin. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ça que je voulais. Hein? Bon, je pense que ça m'a fait rater la mission. Je crois que j'ai raté. J'ose pas croire que tous les rooks ont été libérés d'un coup. Ça me paraît pas possible. Ouais non, ok, effectivement, ça a raté. Ou cri d'assassin légendaire, ça fait plaisir. La musique qui s'excite. Ok, on va se calmer. Alors, arme. Cri d'assassin légendaire, mais j'ai déjà mieux en fait. Nul. Journal de progression. Suite progression. Activité de type repère. Non, pas ça. Si. Si, c'est ça. De toute façon, c'est le seul qui est pas à 100%. What, c'est où? Là-bas, donc. C'est bugué, j'ai pas la zone rouge. Ok, madame. Ok. Il est dedans ? Oui. Libérer les rooks. Ah. Non. Du coup, quoi, tous les rooks vont se faire buter, c'est ça? Et merde. Ah, ça me fait chier. Bon, bah, barrons-nous, de toute façon. Hein. Donc, ok, faut vraiment être full discret. Elle fait une belle cible. Allez, fuyons. On annule la mission. Les rooks sont morts. Oui, j'ai quitté le secteur. Allez,
Oubliez-moi. Nice. Donc, est-ce que je suis de nouveau dans la mission ? Oui. Wesh, c'est où ? Ah mais non, mais du coup, non. Oh, j'ai la flemme. Vous savez quoi ? Tant pis, je le ferai, je le referai une autre fois. Je sens qu'il me faut un peu plus de patience et de concentration que maintenant. Donc ça fera partie des choses à refaire pour le 100%. C'est où les trucs là-dedans ? Au secours! Là? Ah bah là en fait, je suis aveugle. Faut vraiment que j'aille me coucher. Hein. Le truc il est devant moi. Et je le vois à cud. À l'extérieur évidemment, pas du tout. Ah, là. Hop. Voilà, autant nettoyer le coin. On fera la dernière mission pour de libérer le dernier bout de quartier. Et donc le dernier quartier, comment on va faire ça? Ok. Alors, comment on fait ? Aïe 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 ! C'est pas ça qui j'ai demandé. Comme ça. Ouf. Oula. Ensuite, faut que j'aille où déjà ? Ah oui, là. Ok, ok. Non, non, au secours! Je rentre dans une zone instable, mais on va pas y rester, vous en faites pas. Hop, c'est quoi? Je vais pas trop tarder, je t'avoue. Ouah, il est vraiment genre en bord de truc, quoi. Je sais même pas comment j'ai réussi à le choper celui-là. On peut pas aider le monsieur avec sa roue là? Ça ferait une très belle mission. Ok, allez. On va faire ça, d'accord. C'est le dernier truc, c'est une libération d'enfants. Bah c'est parfait. On fait la dernière libération d'enfants et ensuite... on regarde ce qui se passe. Bah oui, il faudra qu'on se batte contre le chef du quartier. Mais dans l'idée... ouais, on finit ça, je pense pas qu'il y aura grand chose de plus derrière. Et ensuite, je pense qu'on s'arrêtera pour ce soir. Alors, déjà, où sont les enfants? Ils sont tous là-dedans ou pas? Tout ira bien. Faites-moi confiance. Merci pour votre aide, madame. Oh merde, il vient me voir. Non, c'est bon.
arrêter cette femme. Merde, ils sont à l'intérieur. Ok. Je devrais amener les chiens pour vous remuer un peu. Un bon coup de dent dans le gras du mollet vous ferait le plus grand bien. Merde, forcément, il faut que j'arrive devant ce mec. Il me voit pas, hein, je suis invisible. Est-ce que c'est ça son pattern ? Forcément, il fallait que ce soit ça son pattern. Ok. Dépêchez-vous ! Vous passerez la nuit sous les quais ! Comme d'hab, hein, on va passer par le toit. Passer par le toit. C'est le problème à cet étage-là. Ah non, il y a lui là-bas. Ces gamins, pas rien à en tirer. Et restez là. J'aime pas les adultes. Mais vous, ça va, madame. Qu'est-ce que tu branles, Evie? Ouvrez l'œil. Ah la vache. Merci, madame. Tant pis, elle a dû choisir ce métier pour arpenter l'ombre. Dépêchez-vous! Vous passerez la nuit sous les quais! Ok. Je sais pas trop qu'est-ce que je fais là. Je fais plutôt. Pas avoir un grappin? Non, vraiment, c'est pas possible. Ok, nice. Ok. Lui, je peux attendre qu'il passe juste en dessous, car il va passer juste en dessous. Dans le doute. Oups, la cloche. Ne vous en faites pas. On libère les gosses. C'était vraiment gentil. Presque. On va y arriver. Ces gamins. Rien à en tirer. Allez. Allez, monte. T'as pas vu, évidemment. Là. Cool. Et ça y est, normalement tout le monde est libéré. Il faut juste qu'on se batte avec le méchant. Gantelet d'assassin légendaire, on ira voir ça. Après. Attention, la musique qui va démarrer normalement. Ah, peut-être pas. Guerre de bande.
Allez, on va aller faire la guerre de bande. Bande. James Bond. Ah, ça me TP direct ? Bien. Vous allez me découper ces deux frailles en morceaux, et ensuite, vous me les apportez. Ah, vraiment une sale tronche, hein. Donc en fait, ce serait bien qu'on arrive à la tuer maintenant. En fait, ça change rien. On va quand même aller à la guerre de bande ensuite. Allez, on va se battre un peu. Ça me fait plaisir. Wesh. Boum. 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 Oh. Oh. Oh oui. Ok. Ok. Là, la guerre de bande, on va juste aller taper 2-3 3 Gugus. Oh non, me dis pas que le machin il est à l'intérieur. Peut-être que si en fait. Oh là, ce bordel qu'il y a par terre. Je me demande qui c'est qui a fait ça. Comment Au secours! Je veux rentrer dans l'usine, mais je sais pas comment faire. Comme ça. Ok. Et ça me dit pas... Et je peux rentrer là-dedans? Où le machin a attrapé là? Bonne nuit Chiquitin, merci d'être passé, à bientôt. Et bonne nuit, repose-toi bien, récupère bien de ta semaine. Mais par contre, il est où le machin? Il est au-dessus parce que je suis débile. Une réponse simple à une question simple. J'adore. Et c'est comme ça. Non. D'accord. Je suis un peu folle, je refais la même chose et ça fonctionne, car oui. Ouais, ouais, ouais. Allez, vas-y, lâche. Non, tu peux pas. Oh. Ok, ok. Allez, nice. Voilà, un marchand juste à côté. C'est où? Ah, c'est un peu loin quand même. Allez hop. Pardon. Oh là là, c'est drift. Ah, forcément, il y avait un cheval en face. J'ai pas le temps, moi. Doucement, wow. Ok, allez. Vamos. Je n'ai jamais douté de la force des Rooks, mais je ne pensais pas que vous gagneriez face à la casse-tête. Vous avez presque la voie libre maintenant.
Oui, ça va très bien se passer. Ce quartier nous tend les bras. Tu vois que c'est putain, nous tend les bras. Je peux la descendre. Je peux aussi. Facile. Niveau recommandé 10. Tous niveau 8. Un scandale. Mesdames et messieurs, nous sommes Jacob et Evie Fry. À compter de cet instant, vous travaillez pour nous. Cool. Ok. What happened now? C'est tout? C'est une déception tout ça? Tout ça? Tous ces efforts? Pas plus. Pas un merci, pas vous êtes des génies du cul. Alors là on va aller voir Henry Green, il va nous faire... bah c'est bien. Voilà. Ah, faut qu'on regarde aussi le stuff qu'on a chopé. Une fois que j'arrive à me déplacer, on me repérer dans une gare. Il va nous dire c'est cool. Ah bien. Vous êtes là. J'ai quelque chose pour vous. Ce n'est pas vraiment nécessaire. D'autres cadeaux? Tu me gâtes, Greeny. Les Templiers sont en déclin et je suis contraint de l'admettre. Les Rooks prospèrent. Tu entends ça, Evie? On prospère. Vous avez fait du bon travail à Londres. Je suis fier de vous. Oh, il a des petites larmichettes au coin des neuils. Mais c'est tout. Nous n'en aurons pas plus. Pas de petits câlins. Rien du tout. Faudrait aller voir lui aussi, enfin elle. Faire ça bien, je veux dire. Ok, ok. Ils sont niveau 2. 2. Excusez-moi. C'est-à-dire que j'aimerais aller me coucher, donc je fais le trajet en bagnole. Ok. Doucement, ma jolie. Oh. Allez. Vous avez vraiment beaucoup aidé les enfants de cette ville. Attends, tu veux dire que je suis un héros? On a réuni ce qu'on a pu pour vous exprimer notre reconnaissance. Vous avez fait un gâteau.
Oh, Michette. Elle a mis des bains sur un boule. Bien joué, madame. C'est tout. Je suis d'une tristesse. Voilà. Bah, c'est beau. On a tout débloqué. On a tout débloqué au niveau des quartiers. Trop trop bien. On est à 67%. Trop trop cool. J'irais bien faire... Donc le coup des coucris, on avait dit que c'était nul. Hein. J'ai déjà celui-là. Je peux l'améliorer. Aperçu d'amélioration. Ok. Les gantelets. Peut-être fabriqués. Tout à fait. Oui. Comme ça ? Non, il n'y a pas un bouton. Fabriquer. Et s'en équiper, évidemment. And voilà. On pourra limite l'améliorer, en fait. Parce qu'il n'y aura jamais mieux. Hop. Voilà. Dépensons notre thune. Oh yo, Elrook, ça va ? Donc, t'as failli me rater. Hein. Je coupe genre là dans 2 secondes. Hein. Comment on va ? Donc celui-là, c'est celui qu'on a déjà. La cape, on n'a rien de mieux pour l'instant. Ça, bah oui. Ça, ça marche pas. Et on a toujours pas trouvé le plan de ces putains de fléchettes empoisonnées. Tu permets ? Non, je suis désolée. Je pense que je préfère avoir ta mort sur la conscience. En toute cordialité, évidemment. Hein. Attention. Ne... Voilà. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non mais une prochaine fois. Mais je croyais que t'étais quelqu'un... T'étais dans la... Mais oh, te calme. Hein. Je croyais que t'étais dans la Yes Life, hein, maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es là à 1h du matin? Tu as glissé hors de la Yes Life? Bon, j'ai rien de toute façon, j'ai une tenue. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Aïe aïe aïe. Bon allez. 3 compétences actuellement disponibles. Allez, allons voir. 16 points pour atteindre. Ouais, du coup, faut que j'achète tout. Bah oui. Faut que j'achète tout. J'ai un pote qui ronfle dans mon lit. Ah. D'accord. Je comprends mieux. Et grosse soirée du coup, c'est ça? Et voilà. Jacob qui est maxé. Du coup, normalement, on peut lui mettre un meilleur stuff. Mais qu'est-ce que je lui ai mis comme stuff exactement? Ça? Où on voit l'équipement qu'on... Ah, c'est ça qu'il a? Peut-être fabriqué. Équipé. Go, hein. Voilà. Arme à feu. Ça, c'était bon. Les ceintures. Voilà. Tenue, on s'en fout. Couleur, on s'en fiche. Ok. Donc, on est à 67% de progression. On a fini de libérer tous les quartiers. Il nous reste pas mal de quêtes principales à faire, des petites quêtes annexes qui comptent pas pour 100% mais que je vais faire quand même. Tous les trucs à récolter là, c'est surtout ça qui va être long. Et refaire les trucs en 100% quoi, et récolter évidemment tous les milliards de trucs à récolter. Genre là il me manque 12 coffres. L'horreur quoi. Je vais en faire des allers-retours, hein, je vous préviens. Ça va partir. Hein. Ça va clairement partir. On fera ça une prochaine fois. On fera ça une prochaine fois. Hop, hop. Moi, je vais aller me dodoter un petit peu. Demain, la soirée. La petite run d'Isaac, lecture et dodo. Ah, c'est vrai que tu joues à Isaac. C'est cool, je me suis mise il n'y a pas longtemps aussi. Et tu dis quoi, hein? Pourquoi je te vois pas jouer Isaac? Tu m'as enlevé de tes amis, c'est ça? Ah, t'as toujours peut-être pas à repentance? Ou alors tu ne te connectes pas? Je te stalk, le sais-tu?
Zone invisible. Ouais, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Yes. Oh, ma pépette qui fait dodo sur le petit coussin. Il faut absolument que j'utilise cette webcam comme caméra pour chat. Et que je mette en place mon appareil photo. Je t'ai vu. Allez, je vais y aller, moi. Merci beaucoup pour les réabonnements ce soir. Merci pour les... Ah bah, salut Mathis, je suis en train de couper. Je sais pas si t'étais en arrière-plan pendant tout le long. Je vais faire dodo. C'est capital, bah c'est bon, c'est validé. J'en connais 196 sur 196. J'ai tout, voilà. J'ai fait ça en début de live. Et ouais, ça s'est bien passé. J'étais un peu tendue, parce que bon, il y en avait quand même beaucoup que j'avais appris il n'y a pas très longtemps. Mais non, ça s'est bien passé. Ça vaudrait le coup de voir qu'est-ce que ça donne dans une semaine, par exemple, en n'y touchant pas du tout. Capital. Super émission présentée par Guy Lagache. Aïe, aïe, aïe. Entraînement à bien payer. Ouais, ouais, c'est clair. Contente, en vrai. Maintenant, il faut que je rejoue à Jogger, quoi. Que ça serve à quelque chose. Voilà. Que je retrouve le temps de jouer à Jogger. Allez, je vous fais des bisous. Merci d'être passé. C'était juste 30 secondes à la fin. Ça fait toujours plaisir. À quand le live GeoGuessr? Elle live GeoGuessr. Mais il faudrait que je m'y remette. Je pourrais en faire demain soir en vrai. Hein. Why not? Ça pourrait être une idée. J'aime beaucoup jouer à Assassin's Creed aussi en ce moment. C'est pour ça. Allez, des bisous les amis. On se retrouve demain 21h. Devoir gagner chez Zulzi, stop, mais je gagne jamais chez Zulzi au fait. À chaque fois, je suis. Genre, le mieux que j'ai fait, je crois, c'est un top 2 dans les BR, c'est tout. Vraiment, il faut vraiment que je traîne beaucoup plus. Je pense que j'ai des bons feelings, des bons réflexes, mais. Il me manque beaucoup d'entraînement. Allez, cette fois-ci j'y vais, des bisous, bonne nuit. Ciao, ciao.